Ce serait tellement drôle, un retour de la quête Mario et Luigi de MH4. C'est trop Oh drôle. putain. Alors, oh bah. Vermi, qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu au courant que nous étions bons? Y a Raven qui me dit que je pouvais venir. Ah ok, d'accord. Okay. Ok, je savais pas que Raven t'avait envoyé un message, j'allais t'envoyer un message et je t'ai vu arriver d'un coup, j'étais en mode, ah, en fait il était sur la live depuis le début, il a menti. Non, non, je En vise fait il a seulement Raven. lurk en mode, oh. Ok. Du coup, Est-ce tu qu'il peux y a changer le d'autres titre, hein. gens Enfin, qui tu peux enlever viennent? le spoil MH Wild Oui, c'est vrai sur que je le peux titre. faire ça. Je m'en occupe, je m'en occupe. Ok, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, Bilal, on Zer, est tout sur le ça, dernier quiz. personne ne vient d'autre? Non. Ok. Eh ben, on va pouvoir lancer Dommage. direct alors. Bah, c'est le dernier quiz avant une petite pause. C'est ça. En gros, pour expliquer aux gens avant, peut-être qu'il y en a certains, la partie quiz ne les intéresse pas ou inversement. Là, donc on l'avait déjà dit dans la dernière radio, mais on vous le redit maintenant et je pense qu'on le redira à la fin. On va faire une pause assez conséquente de un mois, basiquement, ou pour diverses raisons, raisons de vacances, raisons de tout ça. Et au retour de la radio qui sera donc, on peut vous le dire, le 15, à dimanche 15, Exactement. retour de la radio. Et ce sera plus toutes les semaines, donc plus tous les dimanches comme on faisait maintenant, ce sera bimensuel, donc une fois toutes les 2 semaines. Donc on aura une radio le 15, pas de radio le 22 et une radio le 29, etc., etc. Donc une radio tous les dimanches, mais toutes les 2 semaines, pas tous les dimanches vraiment. Et voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être, que pour la partie quiz, en tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien. Tu aurais d'autres créateurs qui pourraient passer. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais on devait attendre que le format soit entre guillemets définitif et qu'on bah, tout simplement qu'on prenne nous aussi le temps d'apprécier le format des vidéos et qu'on s'entraîne un peu. Donc maintenant qu'on est rodé, on pourra essayer d'inviter d'autres gens dans la Tout à radio. fait. Comme ça, vous n'aurez Tout pas à tout fait. le temps Vermi, vous aurez d'autres. Enfin, on aimerait bien qu'on ait d'autres streamers déjà rien que de la taverne qui passent. Donc, par exemple, Eda ou Zer ou Bilal, ce genre de personnes qui pourraient passer pour le quiz. Et peut-être plus tard faire des collabs avec d'autres personnes de l'univers d'MH pour la partie quiz. Voilà. Du coup, là, il y a Crolis qui demande direct les règles. Est-ce qu'on peut nerf le Instant. Gangle, mettre une limite de 10 points? En vrai, Je tout vais ça dire parce une que j'ai chose, la perdu une dernière fois fois. j'ai all-in et j'ai gagné de 2 points seulement. Après, Ouais, c'est vrai. c'est pas moi qui fais les règles. Pour l'instant, on va rester sur 15 points, mais comme Vermi il a gagné le dernier quiz, il part avec un désavantage qui est que son gamble ne pourra être que de 10 maximum. C'est finito, genre, clairement, ça va être nos matchs. On essaye de faire comme ça. Peut-être qu'avec ce quiz-là, le gamble sera peut-être trop broken. On va voir au fur et à mesure. Attendez, il faut Mais. juste que j'ouvre un truc de mon côté. Snaz, où es-tu? Attends, un chrono du coup. Oui. Let's fucking go. Le Ça, chrono c'est est cool, là. ça. Ok. Allez, je suis ready, je vais me mettre dans un coin de l'écran. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Moi, oui. Je suis ready. Parfait. Attends, qu'est-ce que. Quoi? Je suis pas prêt en fait. Pas de Discord. Je sois sur Discord pour que OBS capte que je suis sur Discord? J'ai l'impression. Bon, on va faire ça comme ça. Faut pas que je retourne sur OBS parce que sinon, il remet en mute. 6 heures de 4 rues en win cette fois. On va essayer. On va essayer de. Je vais essayer. Je vais faire de Incroyable. mon mieux. Mais je n'y crois pas une seule seconde. J'ai eu une chance de Allez. zinzin la dernière fois. On va commencer Ok. Hop. tranquillement. Je Donc là, cherche de mon côté. première question.
On va essayer de connaître le titre d'un monstre. Quel est le titre de la Tolaluca ou de la Talca? Quel est son titre? T'as des propositions? Ah bon non. Oh merde! Zut. Zut. Ça, c'est le genre de truc que t'as dit au tout début du stream, oui, j'étais pas là, genre pendant les 5 premières minutes, et du coup, je suis baisé. Ah ouais, en mode, j'étais pas là non plus les 5 premières minutes. Je. Son titre pour Crawlis, c'est son titre que je cherche. Du coup, il faut déclencher le chrono. Ah oui, merde, putain, oui, c'est bien de mettre un chrono, mais il faut que je le starte quand même. C'est clair. Non, je vais pas vous le mettre à 10 secondes, ça c'est quand je faisais les tests. Et 2 minutes. Bref. Donc pour le chat, je rappelle que vous devez vous mettre d'accord sur une réponse. Et là, vous avez 2 minutes pour pouvoir pouvoir mettre votre réponse commune. Et puis voilà, donc là vous le voyez apparaître. Normalement, Donc, ouais, quand ce c'est sera censé le voir. zéro, il faudra que vous ayez au moins mis la réponse en commun. Sinon, c'est foutu. Donc là, vous avez carrément le chrono qui tourne, donc comme ça, au moins, vous n'êtes pas surpris, vous n'avez pas de lag, vous ne savez quoi. Vous avez même plus de temps parce que le temps que je lance le chrono, vous avez le temps de réfléchir. J'adore la réponse de Vermi, elle est incroyable. Je savais que je ne pouvais pas avoir ce point, donc je me suis dit, vas-y, allez. Alors du coup, vu que Vermi et Rocky ont donné leur réponse, il y a ce truc-là qu'on met en place également, c'est que si l'un d'entre eux a donné la bonne réponse, il réduit le temps du chat à 30 secondes. Voilà, allez. Oh merde, bon, ça va être si dur pour moi de mon côté. Ah oui, parce qu'il faut que les deux donnent la bonne réponse, bien Non, sûr. non, Sinon, c'est non, pas c'est... bon. Ah, ok, c'est bon, ça n'arrivera Ah, jamais, ok, bon, ça n'arrivera jamais. ça veut dire que j'ai pas besoin d'arrêter Snaz, mettre Snaz à 30 secondes, lancer Snaz. Ouais, le temps que je fasse ça, il s'est déjà passé une minute. Ah merde, t'es obligé d'être dans ce cas-là? Ah oui, ok. Ouais, non, Bah, c'est pas après, on peut obligé. juste, genre, juste, ce sera pas affiché 30 secondes de leur côté, et puis c'est tout. Genre, on sait qu'il leur reste 30 secondes, et on fait comme ça, parce que si je dois leur afficher 30 secondes... Après, je peux essayer, hein, mais... Alors que je clique vite, alors que je clique vite. Reste 5 secondes. Fini le chat main en l'air. Pas mal. Ah, touchez plus au clavier, interdit. Du coup, ils ont donné comme titre la forteresse mouvante. Vermi, Oh, c'est pas impossible. il a donné la tisseuse des pyramides. Ça me fait rire comme truc. Et Rocky a donné l'impératrice d'or. Alors, en soi, le chat n'a pas tort. Effectivement, Forteresse Mouvante était un bon titre, sauf que ce n'est pas son titre, c'est son surnom. Tout comme le dragon mécanique Oh. qui est son surnom. Là, je demandais son titre, et son titre, c'est la Mante Pavillon, ou Pavillon Métis. Oh merde. Genre personne aurait ça genre dans Allez, hein. 10 univers parallèles, genre c'est impossible. Mais si. Connu En vrai, c'est notre faute. C'est notre faute. On a mal écouté à la radio. exactement. C'est notre faute à tous, les enfants. On a juste pas écouté, hein. Mais le chat a donné le titre, enfin a donné le surnom, mais pas le titre. C'est dommage, moi je demandais le titre, pas le surnom. Du coup, question suivante, le surnom de la Talca. Non, 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 je suis pas vache à ce point. Question suivante. Donc là, on va reconnaître le cri d'un monstre. Là, Ah. faut que je partage mon écran.
Où est-ce qu'il n'y est pas? Ah voilà, lecture multimédia. Hop, hop, hop. Tac. Donc, là, vous allez entendre le cri d'un monstre et vous allez devoir reconnaître lequel c'est. Attention, c'est parti. Je te passe sur le stream. Oh l'enfer du cri! Attends, il faut que je lance. Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît? C'était pas trop fort. Hein. Non, j'espère que c'était trop fort. Hein. Non, c'est pas par rapport au. Ouais, vas-y, lance. Relance le cri et je lance le chat en même temps. Je relance. Oh! Oh, c'est tellement pas un cri que je crois avoir entendu une seule fois dans ma vie. Je vais essayer un parce que ça me fait beaucoup penser je à ça. Je pense vraiment que c'est ça en vrai. On peut le remettre une troisième. Ah, je crois qu'on a pensé à la même. On le remet une troisième fois. Ok, bah, surprise, tout le monde a trouvé. Ok, tout le monde a trouvé, donc je peux stopper le chrono. La Cali est dégueulasse, H24, oh, putain, merde. J'avoue ouais, parce que du moment que t'as lancé ton stream, ta qualité sonore a descendu de fou. Mais ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, le chat. Hein. Ça, c'est un bon fou, ça. Je suis navré pour ça. Ah, ou sinon, il faudrait que tu envoies les sons à l'avance. Mais Oui, sinon, il faudrait que tu m'envoies tous les sons à l'avance et que moi je les balance. Ok. Tu sais quoi, je te les envoie. Je te les envoie parce que la qualité du stream est prioritaire. Donc, tant qu'ils sont bien notés A, B, C et tout, normalement. Tout à fait. Ce que je vais faire parce que sinon. Du coup, tout le monde avait bon, c'était le Valstrax. Oui, tout à fait. Ok. En vrai, bah, c'est très que... très très réacteur, genre. C'est ça. En fait, c'est que oui, pour oui, moi, il y a clairement. Que genre lui qui pourrait avoir ça. Et je vais pas tricher. Il s'appelle ABC. Comment vous voulez que je triche, les enfants? Et puis même si j'avais le nom, je trouverais pas le monstre, les gars. Surtout si tu les écoutes à l'avance, ça s'entendra sur le stream, je pense. Oui. À part bah, si oui, tu setup clairement. Vraiment le truc pour être le plus gros tricheur de cet univers. Non, mais en vrai, j'ai pas triché à la radio MH, les gars. Enfin, c'est pas, il y a pas des millions d'euros à gagner. Hein. C'est clair. À part sauver mon honneur d'avoir même un point, si ce qui est déjà le cas. Bon. Même si on met des trucs. J'ai aucun intérêt à gagner au jeu. À part on dire, pas 3 points chacun parce qu'on l'a trouvé sans proposition. Il n'y avait pas de proposition pour ça, si. Non, je non, pense y a pas. Jamais de proposition. J'essaie juste de gratter pour mon gamble qui est déjà réduit. Genre. Tout pour battre le chat, mais. Qu'est-ce que j'y gagnerais à vous battre en trichant? Moi, je veux vous battre à la loyale, en fait. Je veux juste pouvoir vous battre et dire, bah alors le chat, on est mauvais? On est nul? Moi, je veux pouvoir vous taunt le chat. Et pour vous taunt le chat, il faut être plus fort que le chat. Et vous imaginez, après, dans 5 ans? Je vais me retrouver avec des vidéos comme MrBeast, oh là là, tout est faux, il trichait depuis le début, le chat était pas au courant, mais en réalité, ça s'appelait pas la chanson B, il avait tout à côté, enfin bref, horrible, horrible, du drama dans tous les sens, des posts Reddit entiers, oh là 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 là, non, pas tout ça, allez, allez. Tout ça pour gagner contre le chat, ça vaut pas le coup. Contre le chat, quoi. Par contre, 9 ouais, fois. Ah, c'est presque upload. Non, t'inquiète. Ça va, vous, le chat? Tu te fais comment, Rocky? Genre, tu. Ouais, d'accord, tu prends pas l'audio de ton bureau, tu prends l'audio du. Discord. Tu vas mettre sur. Actuellement, sur B, je prends l'audio du Discord, je prends pas l'audio du. Ah, alors, attends. Du coup, pendant 2 secondes, je vais pas vous streamer Discord. Le temps que je récupère toutes les questions. Jamais. Hop. Comme ça, moi, je peux voir les réponses et pas vous. Non, mais c'est justement au cas où qu'il y ait toutes les réponses, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse pas participer au lieu que tout le monde. Tu vois, c'est. On sait jamais. Et... Ok, c'est bon. Du coup, je vais sûrement upload
l'icône. Oh, quoique, non, en vrai, non, il me semble pas, c'était En que vrai, je tu balances peux. l'icône dans le stream, non? Enfin, dans le vocal stream. De toute façon, il le Ouais, requis la le stream limite, également, ouais. donc. Ouais, c'est ce que je veux faire. Donc, du coup. OST MP3, oui, c'est pas le cri, on est d'accord, il faut que je le prenne aussi. Voilà. Ok, tout est balancé. Ça, c'est bon. Bah voilà, on peut continuer. Normalement, on est bon. C'est tout bon? J'ai Ok, pas parfait. besoin de. Parfait. Normalement, ouais, tout est bon, j'aurais besoin de rien. Du coup, il est où? Ah, je peux le remettre là. Voilà. Donc, en termes de points, on est juste à un point. Et puis, c'est quoi, hein, c'est parti. Ok, question suivante. Là, il va falloir reconnaître la rareté de l'arme. Oh, Oh shit. Je vais c'est pas marrant vous ça. faire l'affront de demander quelle arme c'est, parce que bon, à un moment, je pense que vous avez tous fait MH, vous reconnaissez les icônes d'armes quoi qu'il arrive. Moi, ce que je vous demande, c'est de reconnaître la rareté de l'arme. Je tiens à préciser que c'est une arme de Iceborne. Ce n'est pas de Sunbreak ou des anciens jeux, parce que les raretés changent à ce niveau-là. Donc là, j'ai pris Ouais. quelque chose de Iceborne parce que c'est le truc le plus commun qui puisse exister. Ok. Donc attention, j'envoie l'arme. Ok, alors attends, si t'envoies l'arme, Snaz, où es-tu? Là. Et Starto. J'espère que le chat Oui, j'ai un voit giga doute du coup. voit Je l'ai mis, l'arme. j'ai cliqué dessus pour qu'il est bien au milieu de l'écran, normalement. Parfait. Après, il faudra que je l'enlève à un moment pour moi écrire ma réponse. Mais... Ce qui est dur, c'est qu'il n'y a pas les petits effets de Oui, paillettes. C'est j'allais vous horrible, du dire coup. Je sais pas pareil. si c'est vraiment la vraie couleur, en fait. Ah, c'est la vraie couleur. C'est la vraie couleur, par contre. Ouais. Pas que ce soit ça, je dirais bien. Ah, j'hésite tellement entre deux. Okay. Sachez que aucun d'entre vous n'a la bonne réponse. Merde. Yes. Si Est-ce c'est que la le rareté chat... juste au-dessus, je pète mon crâne. Est-ce que le chat va trouver? Il reste 30 secondes pour le chat. Ok, Crolis, tu viens de revenir. Faut trouver la rareté de l'arme. La photo est au milieu. Il te reste 20 secondes. Bonne chance. Et c'est du Iceborne. J'avais souligné le fait que tu triches en regardant le chat, mais J'ai non, déjà t'avais écrit ma déjà enlevé ta réponse. réponse. Mais T'as oui, j'ai le écrit droit. ma réponse. Ok. Donc, le chat s'est mis d'accord. Chat s'est mis d'accord. Ok, le chat a dit rareté 12. Vermi, il a dit C'est rareté blanc, 7. Arte 12. Exactement. C'est Ouais, pas les armes de fin de exactement game, blanc, c'est pas le blanc, max, c'est c'est full bleu. blanc. C'est un bleu très 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 pâle qui Ah ouais, tire vers le je blanc. croyais que Le c'était full blanc. blanc avec des paillettes. Non, blanc c'est rareté 2 et rareté 1. Enfin, rareté 1 c'est Oui, gris, faire, rareté 2 c'est oui. blanc. Ouais, mais du coup, je pensais que tu vois, c'était justement genre la rareté max, c'était comme le début, mais avec des paillettes. Parce que du coup, bah, c'est Ah mieux que le non, 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 début. c'est un bleu extrêmement pâle. C'est un bleu type Xenogiva, si tu veux. Ok. C'est très très pâle à ce niveau-là. Parce que pour moi, bleu, c'est genre rareté milieu de game, en fait. Pour moi, c'était avancé, mais dans World. Alors, le bleu, Ouais, effectivement, c'est justement, rareté ouais. 5, mais le bleu, c'est bleu ciel. C'est pas cyan comme là on a. Ok. Donc Donc j'étais là, pas loin c'est avec mon encore rareté au-dessus. 5. On n'était pas loin, je Vermi, pense, hein. il a mis rareté 7, et rareté 7, c'est violet. Ouais, ça je sais qu'après ça part dans le Oh, violet et c'est tout. Ouais. tellement 6. En rareté 8, c'est orange. En rareté 9, c'est. Pardon, en rareté. Ouais, en rareté 9, c'est rouge. Et en rareté cyan, qui est comme ça,
c'est rareté 10. Okay. Ensuite, après, tu as la rareté 11 qui est jaune et la rareté 12 qui est presque diamant. Je sais que les deux derniers, c'est jaune et du coup, bah, blanc, bleu, brillant. Ça, je savais que les deux derniers, c'était ça. Je savais que le début, c'était genre blanc, gris, vert. Et du coup, dans ma tête, c'était blanc, gris, vert, bleu. C'est pour ça que j'ai mis 5. Mais non, du coup, ok. C'était point bon. Personne n'a de point. Eh bien, écoutez. C'est un quiz sur les armes. Hein. En vrai, c'était tricky, mais c'était pas tiré par les cheveux. J'ai bien ouais, non, en vrai, ça se faisait facilement. Enfin, pas facilement, mais on... ça se faisait. Genre, vraiment, celui-là se faisait... Parce qu'on les a quand même tout le temps sous les yeux, les armes. Tout à fait. Alors, là, vous allez devoir reconnaître l'arme selon sa description. Donc, vous aurez des propositions, ou alors si vous êtes des fous, vous faites sans proposition. Et j'y crois zéro. Donc, la description de l'arme est « Relique d'une civilisation oubliée, l'inscription évoque un roi armé portant une couronne rouge, arme évoquant la déesse chasseresse dans son suaire. » Est-ce que vous voulez des propositions ou pas ? Moi, oui. Oh, oui. Moi, j'en veux une, je sais pas. Ouais, vas-y, quand même, proposition, en vrai. Ok. Est-ce que c'est... Attends, est-ce que le chat veut des propositions ? Oui, ils veulent des propositions. Ils veulent des propositions, tout le monde veut. Ils veulent tout le temps des propositions. Je sais pas, je vois pas. J'espère qu'ils aient plus de points. Je pense que le chat, ils ont besoin des propositions. C'est trop difficile sans les propositions. Donc, si tout le monde veut les propositions, tu peux y aller. Est-ce que c'est le canon gravé Arrueris ? Est-ce que c'est l'arc gravé Ness ? Enfin, Nice plutôt. Ou est-ce que c'est l'âge gravé Neftis ? C'est quoi cette merde ? Ce sont tous les trois des armes en Atola Luka. Ok. Est-ce que tu peux redire les propositions, s'il te plaît ? Canon gravé Arrueris ou l'âge gravé Neftis ou l'arc gravé Nice. Ou Nice. Ça va tellement être au pif. En vrai, je me suis dit, je vais peut-être genre... Techniquement, si vous connaissez un peu la mythologie, vous devriez pouvoir trouver. Oh merde. Oh. Alors, la description, je rappelle, c'est une relique d'une civilisation oubliée. L'inscription évoque un roi armé portant une couronne rouge, arme évoquant la déesse chasseresse dans son suaire. Ouais, du coup, j'ai fait de la merde. Tu peux changer ? J'ai encore le temps de changer ou pas, Raven ? Oui, tu peux changer, t'inquiète. Est-ce que tu peux redire les propositions ? Alors, dernière fois. Est-ce que c'est le canon gravé Arrueris ? Est-ce que c'est l'âge gravé Neftis ? Ou est-ce que c'est l'arc gravé Nith ? Nith, Nis, N-E-I-T-H. J'étais encore plus entre deux maintenant. I guess. Ok. Combien de temps il reste pour le chat ? Il reste 40 secondes. Ouais, il en reste 30, moi, de mon côté. Ouais, il y a un petit décalage. Ouais, bah, un petit normal. En vrai, ils ont l'air de se mettre d'accord sur... Ouais, ok, ils se sont tous mis d'accord sur la réponse, parfait. Et bien, c'est très bien, vous avez tous trouvé. Effectivement, c'était bien l'arc gravé Nith, parce que, en fait, Nith est la déesse chasseresse de... la déesse de la chasse dans la mythologie égyptienne. Oh. Moi, j'ai pensé à Artemis. En fait, quand t'as dit... Au début, j'avais mis le canon, parce que c'était une arme de tir, et j'étais en mode, bah, une chance sur deux entre le canon et l'arc. Et dès que t'as dit « Faites gaffe à la mythologie », j'ai fait « Ok, Artemis, allez hop, ça dégage ». Alors oui, c'est vrai qu'Artemis utilise un arc, sauf que là, j'ai pas parlé de mythologie grecque, là, c'était la mythologie égyptienne. Oui, mais je sais pas, dans la mythologie égyptienne, je vois pas l'Égypte, c'est des canons. T'as eu un gros coup de bol, hein, parce que imagine, ça aurait été l'inverse, ça aurait été la hache gravée de Nith, bah t'étais dans la merde. Hein. Ouais, mais ça parlait d'une arme de tir. La taille de tes couilles. Ça parlait d'une arme de tir. Après, je rappelle que les armes qu'on utilise, ce sont des armes de chasse. Hein, donc, Oui, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, je ne voyais pas le canon être une arme utilisée dans la mythologie. Je ne voyais pas le dieu se ramener avec son gros HBG là et faire « bah alors ?» Bah écoute, ça se voit que tu connais pas Hephaïstos. Hein.
Ça se voit que tu connais pas Arès aussi. Lui, il joue Si, beaucoup avec mais... des pistolets. Ouais. Oula. What Bizarre. Je sais pas ce que tu joues, mec, mais je crois que c'est la version Genshin Impact de... fuck? Non, c'est juste la version Percy Jackson. Ah oui, Percy Jackson, ok. Parce que j'allais Aïe, dire pistolet Arès, mais plutôt épée bouclier Arès. Ou double lame même. Bref, on n'est pas là pour ça. Question alors, suivante, double chef. lame, ça c'est Némésis. Hein. Dites-nous tout, chef. C'est quoi la prochaine Ok. question? Question suivante, là, ça va être de reconnaître l'OST dans quel lieu elle est jouée. Donc, Ok. je te laisse Rocky Alors, attends. mettre la musique. La A du coup, ou la OST? Non, la OST. Les A, B, C, c'est pour le blind test. Allez, normalement ça marche, j'espère. Alors, Allez. moi, je... Oh, ah, pas con, en vrai. Oui. Et vu que je capture le Comme ça, son je peux Discord, l'écouter aussi. normalement, je deviens normalement le chat l'entendra aussi. Vous me dites si le chat vous l'entendez pas. Et ils ont le temps de la musique pour trouver. J'espère que je vous ai pas trop niqué les oreilles aussi au chat. J'espère qu'il aura fallu laisser un petit peu dessus. Ah! De mon côté, c'était avérément fort. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Je l'avais ça. Mais attends, mais. Comment ça, savoir où elle est jouée, cette musique? Pourquoi j'ai entendu autant de fois cette musique? Pourquoi elle me dit autant quelque chose? Là, tu me donnes le vieux ou le Oh! vieux. C'est bon. Déjà, ça donne ça. Donc, je vais te rendre un peu plus. En vrai, c'est pas comme ça. Sinon, t'aurais dû prendre la main. Ah, pour C'est moi, je t'entends pas ce que tu obligatoire. dis. Moi, j'ai le son de la musique fort de mon côté, puis le chat en France, je m'entends pas. Vraiment que ça donne ce jeu, c'est une dinguerie. T'as vu? Que ce soit la mélodie, que ce soit les instruments, c'est une dinguerie. Ah mais les instruments font très penser. Du coup, il y a Ok, juste donc qu'à du vous. coup, Rocky, il a dit que c'était la musique de l'Atola Luka lorsqu'elle est sur son mecha. Non, quand toi t'es sur son mecha. Bien tenté. Il a dit où? Sur le mecha! Ce qui non. Elle se joue Oh. plus quand t'es sur le mecha, genre. C'est une boombox qui est dans le mecha En et elle passe fait, cette musique. d'habitude, il nous demande la phase. Là, je me suis dit, bon, c'est pas la phase du méca, c'est quand t'es sur son méca. J'ai Bref. demandé le lieu, quoi. Oui, Et il a demandé, c'est comme ça que j'ai mis ça. Après, je sais même pas c'est le ça, chat, mais le je crois que c'est chat ça a en vrai. mis que le chat a dit que c'était la musique, enfin le thème de l'arène de MH3, ou de O3U, hein, ça marche Ok. aussi. Et Vermi, il a dit pareil, et effectivement, c'est bien la musique, enfin, c'est bien le thème de l'arène de MH3. Et il y a des gens, ils sont partis, il Coquine. y a des gens, ils sont partis au début sur le thème du Genmoran, et c'est vrai qu'à un moment, on entend un petit air comme dans le thème du Genmoran, sauf qu'en fait, c'est celle de l'arène. Enfin, moi, ce que je Donc, retiens, bien joué au chat c'est que je crois que le et à chat en avait Vermi, ras-le-cul que évidemment. tu les saoules avec des musiques d'arène. Ils sont allés de leur Oui, non, côté mais moi aussi, hein. écouter toutes les musiques d'arène du jeu, et maintenant, ils sont incollables sur les musiques d'arène. C'est Et du coup, sûr. Vermi, tu disais que ça te faisait vraiment penser à la Je à connais ce Instant jeu Trick. au tout début. Genre, la mélodie, il l'a joué au début. Genre, la mélodie du title screen de Tree, donc globalement la version de Proof of Hero de Tree. C'est Et vrai. ensuite, les instruments, genre, qui rappellent bah, les premiers monstres que tu fais, en fait, genre le Grand Jaggi, etc. Il y a vraiment les mêmes putains d'instruments, genre. C'est vrai.
On sent le musicien. Ouais, mais Vermi, il triche. C'est terrible. Vermi, il va être là et faire oui, non, en fait, c'est dans la même gamme. Ils utilisent un solfège particulier. Et là, je reconnais la flûte de Pan jouée par le musicien Théodore. Très connu, très connu. Incroyable. Eh Ah ben, eh ben du putain. coup, Et il joue pas félicitations. Hunting Horn, ce con. Ouais, j'avoue, c'est Non. tellement. Bah, Le mec, il aime je les suis un grosses pianiste, armes, il hein. aime la musique, il joue pas Hunting Horn, tu dégoûtes. Je suis Un un pianiste, pianiste, fait hein. Faites chier avec vos instruments avant, là. bah, Ça excuse-nous, fait. tu peux pas te taper avec un Moi, c'est à piano dans le cordes, mon match. instrument. Hein. Mon instrument, il est à cordes. Moi, c'est des Du percussions. coup, ça fait un point pour Vermi et le chat. Ouais, normalement, c'est fait, je leur ai mis. On est d'accord, Rocky, hein? toujours à la bourre. Oh, T'inquiète, t'inquiète, yo! ça va se rattraper. Mais oui, mais oui. Maintenant, vous allez devoir trouver la faiblesse d'un monstre. Quelle est la faiblesse élémentaire du Théostra? PTDR, je te kiffe, Bah, Raman. Je t'aime, en je fait. crois que c'est ça. Raven, je t'aime, sache-le. C'est un de mes fights préférés J'hésite en entre Hunting les deux, Horn. mais il me semble que c'est ça. Oh, je t'aime si fort. J'ai dit faiblesse principale. Ouais, mais moi je t'ai même mis la secondaire, t'as vu? Ouais, j'avoue. Oh, le flex. Mais si tu veux, j'enlève la secondaire pour mettre que la principale, si tu Non, non, préfères. non, non, non. Mais en vrai, c'est un truc que je devrais faire un jour, de dire quelle est la faiblesse secondaire de tel Envie de monstre. mourir. En fait, c'est qu'il y en a certains, ils vont en avoir plein. Parce que, tu sais, t'en as certains, t'as genre Oui, en 3 plus. étoiles Ouais, d'un c'est truc, et après mérité et tout. tout le reste, c'est du 2 étoiles. Tout à fait. Mais oui, lui, il faut savoir que j'ai craft, bah, donc Vermi a répondu et que les autres connaissent pas comment je build mes armes. J'ai fait une Hunting Horn exprès pour lui. Ok, J'ai une. le chat semble se mettre d'accord également sur une réponse. D'ailleurs, t'avais pas mis le chrono, Ah oui, merde, pour le être sûr. chrono! Et Oh, tant pis. c'est pas grave, hein, t'inquiète. Ah, mais c'est pas un automatisme, hein. Faut me le rappeler. Non, mais t'inquiète. Du coup, ouais, visiblement, ils se sont tous mis sur l'eau. Et du coup, bah, exactement comme Rocky et Vermi, hein, c'est également l'eau aussi. Faut savoir que la lune Effectivement. Astra, c'est la glace. Oui. Du coup, Oh, ok, ça je savais pas. du coup, ma Hunting Horn s'affiche, va haut, anti-feu, qui a des mélodies anti-feu et tout le bordel, qui est trop trop bien contre les Théostra, et est beaucoup moins efficace contre la Lune Astra, parce que l'anti-feu marche pas contre son feu à elle, et elle craint pas l'eau, elle craint la glace. Du coup, c'est vraiment une Hunting Horn anti-Théostra. Voilà. Et ben, un point pour tout le Question. monde. Écoute, Effectivement, un point vous auriez pour pas tout le pu vous monde. tromper le chat là? Franchement, Du je vous coup, rattrape. question suivante. Quelle est la zone la plus sensible du Rathalos Argent au stade 0? PTDR. Ah Attends, ouais? attends, Ah attends, ouais? vite, le snaze, t'es où? T'es là. Ah oui, Putain, le chrono merde. de 2 minutes, Le effectivement. chrono En pour le vrai, je. chat, en fait. Donc, je répète, quelle est la zone la plus sensible du Rathalos Argent au stade 0? Qu'est-ce que t'appelles le stade 0, mec? Bah, le stade 0. Genre début de Genre, quête? quand tu commences à l'affronter. Ah, Genre, ok. stade 0, c'est le stade 0, c'est Non, mais je le sais pas, stade ça aurait 0, pu quoi. être une Genre, connerie de. le Jinuga, le stade 0, il a pas de foudre insecte avec lui. Ah, ok. Le Du coup, c'est pas du tout ce que stade je 2, pensais. c'est quand il est full chargé et énervé. Ouais, ok. En fait, pour moi, le stade 0, c'était genre le mode 0, tu vois, genre, je sais pas, un truc spécial au Rathalos Argent, mais bref, du coup, non. En vrai, ça peut pas être un truc évident, genre. Enfin, j'ai deux réponses en tête, mais les deux ne J'en me ai une conviennent qui me pas, en vient en fait. tête, mais je crois que c'est que plus tard. Et je pense pas qu'au début de la quête, ce soit son point faible. Après, vous pouvez avoir des propositions pour avoir moins de points, hein. C'est pas Ah, on obligé. peut demander les Non, propales! non, 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 non. Mais faites vos trucs, moi je Je demande les grid. propales. Toi, tu veux des propositions, Ouais, Rocky? bah je vais attendre que les autres ils aient répondu, comme ça ils auront faux, et puis ils auront le seum, et moi j'aurai mes réponses, et j'aurai faux aussi parce que je connais pas. Ok. Non, Pour mais je lui, veux de les toute façon, propositions. il est en mode on a la réponse sans les propositions. Donc, ils veulent Je pas les vais tenter propositions, ça. le chat. Oh le pavé! Mec, c'est quoi ta partie de monstre en fait? Genre t'as dit tout le monstre, c'est ça?
Non, j'ai fait mon cheminement de pensée comme ça. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais, putain, j'ai pas compris, mais ok. Ok. J'ai fait mon cheminement de pensée, et en plus, comme ça, Ricky peut pas déterminer avec la longueur de ma réponse. Effectivement. Je comptais pas deviner avec la longueur de ta réponse. Le chat semble se mettre d'accord sur sa proposition également. Ok. Du coup, Rocky, tu as le choix entre la tête, le cou et les ailes. Oh, ok. Ok. Le cou, c'est une partie. Moi, mon cheminement de pensée, c'est que je pensais au Le torse, cou, parce c'est que une je sais partie. qu'il a le torse qui s'illumine, mais je sais que c'est que quand il est énervé et chargé et tout le bordel. Mais j'avais un doute si c'est pas comme le Fatih où taper le torse au début de la quête, c'est important, tu vois. Donc j'avais un gros doute sur le torse, mais le torse ne fait pas partie des réponses. C'est pour ça que j'attendais les propales. Maintenant, partie de moi a envie de dire la tête, parce que les meubles, la tête, ça fait plus de dégâts, mais est-ce que c'est le point faible? Le cou, ça doit être pour sa poche à flamme. C'est peut-être bien le point faible. Et les ailes, je vois pas pourquoi les ailes ce serait le point faible. Ça doit l'empêcher de voler bien, mais de là être un point faible, je pense pas. Je vais mettre le cou. Parce que la tête, c'est tous les mobs. Et les ailes, Donc, je vois pas pourquoi. Vermi, il a dit que c'était les ailes parce qu'au début, la queue était super dure. La tête, c'est trop évident. Fuck les pattes parce que tout le monde s'en bat les couilles des pattes. Et donc, du coup, les ailes, c'est la proposition la plus logique selon lui. Et le chat sont partis directement sur les ailes en disant également que la queue était trop dure. Alors, effectivement, la queue est extrêmement dure. On est dans la merde. Il n'y a quasiment aucun stade où elle est, où elle est moins dure. Par contre, au niveau de la tête, effectivement, au tout début, au stade zéro, la tête est l'un des endroits les plus solides du Rathalos Argent. C'est d'ailleurs pour ça que ça surprend au début. Et quand il est en phase 3, au stade 3 de son énervement, donc là, quand il a la gueule toute luminescente avec son feu, etc. C'est à ce moment-là où la tête devient son endroit le plus sensible. Mais avant ça, c'est l'un des endroits les moins sensibles. Et les pattes, je me tire une balle. Le cou, lui, par contre, devient l'un des endroits les plus sensibles en phase 2. Donc la réponse, c'est les ailes qui sont les parties les plus sensibles au stade 0 et qui deviennent les parties les moins sensibles au stade 3. Ok, je comprends. Parce Donc, qu'au début, j'étais en mode en vrai, il y les a... ailes, c'est tellement random que je comprends pas, mais c'est plus parce que tout le reste est résistant au début. C'est ça. Et en C'est pas fait, elles qui sont les ailes, fragiles, c'est c'est tout le reste l'endroit. qui est résistant. En fait, les ailes aussi, ce qui est l'endroit le plus simple en fait, pour faire pénétrer l'eau, qui est la faiblesse élémentaire du Rathalos Argent, tout comme avec la Rathian d'or, où en fait, te taper dans les ailes, ça permet de faire conduire l'électricité plus facilement. Donc, c'est pour ça Ok. que les ailes sont le plus sensible. Mais par contre, au stade 3, ça inverse. La tête devient sensible et les ailes deviennent résistantes. J'avoue que les rares fois où je l'affronte, je suis en HBG Sticky, la tête est pas résistante, frérot. Le monstre, Mais il est tu par m'étonnes. terre, il est en train de faire flap flap avec ses ailes, les gens peuvent lui couper la queue dès le stade 1, et moi je suis là en mode bah alors frérot, on s'est plus volé, et voilà. Hein. Mais Mais c'est vrai que je me rappelle pas pour autant dish out énormément de dégâts sur les ailes. Hein. Genre. En fait, je me vois pas dish out des dégâts même quand je jouais un secto, et je vois pas la queue étant solide. Je vois ni la queue ni la tête étant solide, j'ai l'impression de taper La normal queue est dessus. trop solide, mec, c'est Ah horrible. ouais? Putain, Quand tu tapes La avec queue, des mec, je peux te armes. dire qu'avec la GS, t'as envie de mourir. Hein. Ok, Tellement je vois. vrai. Parce que je t'avoue que moi je suis là, je De, suis en à mode tel point, à tel boum point que boum. dans les vieux MH, tu utilisais le talent PSI pour pouvoir, enfin, ou œil de l'esprit pour pouvoir taper dedans sans rebondir. Je vois, je vois. Oh, moi j'avoue, Rathalos Argent et Rathian d'or, je les fais, vu que c'est des monstres endgame, je les ai fait avec mes builds endgame et j'ai pas senti Oui, de normal. différence. Mais À du part qu'ils étaient coup, très stylés ça quand ils fait. s'énervaient, j'ai pas senti de différence. Du coup, Vermi et le chat ont trouvé, ils gagnent 3 points chacun, et Trois... Ah Rocky, oui, bah oui. Bah oui, du coup. malheureusement, Alors attends que je leur tu n'as rajoute pas 2 points de trouvé, donc. plus. Mais c'est vrai que par contre, j'avais pas du tout considéré genre le cou, le torse. Alors, en fait, Genre moi, le reparti torse, sur. genre, je suis parti du principe que ça devait être comme le Fatalis, vu que quand ils sont énervés, il devient brillant, il doit être bien soft à ce moment-là, mais que de le péter avant qu'il devienne soft, ça porterait des bonus. Genre, peut-être que ça les empêche de s'énerver, ce genre de truc. Du coup, j'étais en mode, pourquoi pas le torse? Mais.
Mais du coup, non. En fait, je me suis dit qu'au stade 3, c'était peut-être un peu trop évident comme truc, mais en vrai, j'aurais peut-être dû penser par là. Ou alors, j'aurais peut-être dû prendre le stade 2, histoire que personne ne sache. Mais je me suis dit que c'était un peu trop broken. Le Mais coup, ok. vu que c'est, je suppose, là où il y a la poche de flamme, je me suis dit que ça devait être le point. Question Ouais. suivante. Question sur l'alchimie. Comment fait-on un transporteur ou un téléportogène? Oh, téléportogène, putain, j'ai dû encore. Ah non, je les ai achetés l'autre Je jour. crois que j'en ai craft dans Frontier, genre Le chat, vendredi dernier. Non, samedi dernier. Bah hier en le fait. chat doit à 2 minutes pour répondre. Ah oui, merde, vite, 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 chrono. Paf, starto. C'est bon. Donc la question est, comment fait-on un transporteur ou un téléportogène? Un truc que très peu de gens font, en vrai. Moi, j'en ai fait plein dans World et dans Rise, j'ai fait Nick, je les achète. Parce que maintenant qu'on peut revenir au camp juste en volant, t'as plus besoin de cet objet. Moi, je peux te dire que j'en ai besoin pour aller chercher les munitions. Non, Bon. tu reviens avec ton Drake. Oui, mais pas quand t'es en combat. Ah oui, bien Bah sûr. oui. Du Merde, je coup. suis en train de me dire là. Je crois que le truc a changé, non? Ou je suis juste fou? Mais ce que tu sais. Ah merde, d'ailleurs, j'ai encore fait la même connerie que le foin. Attends. Voilà. Et j'espère que Dis-toi t'auras si tu as envie compris de ce que j'ai mis gagner. comme premier ingrédient, Je crois que Raven. c'est Ah, ça. t'inquiète, j'ai compris, t'inquiète. J'ai le nom en anglais, j'ai essayé de le traduire en vert, mode bon, Si, je si, sais que c'est pas ça, mais tant pis. sinon je t'aurais demandé plus de précision, mais j'ai Ouais. compris de quoi tu parlais. Je crois que c'est ça. Mais je suis un gros 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 aficionado de téléportogène, hein. C'est une catastrophe. Hein. Mec, tu sais que toi en Un plus gros quoi t'as tu dit? vas faire mieux. Aficionado, j'aime beaucoup Ah en oui, d'accord. utiliser. Même que là, quand je regardais le live Frontier, t'as découvert l'existence des Nearcasters. Oui, oh Au quelle lieu des dinguerie! Farcasters. Je sais pas. Faut vraiment que je vois comment on en fait ça. Ah, avec le Drake? Non, en gros, Je apparemment, sais c'est pas des comment ça marche, téléportogènes, mais. mais qui te font une salle à côté, au lieu de t'envoyer genre au camp. Genre, t'as téléporté juste dans la salle d'à côté. C'est pour ça que Oui, c'était. mais t'es récupéré par ton machin, par ton Drake, Probablement, peut-être. oui. Ton Drake, il te récupère et il t'amène à la zone d'à côté, c'est trop cool. Je trouve ça rigolo. Ok, donc c'est terminé. Le chat s'est mis d'accord sur leur réponse. Ils ont dit noix fumigène plus champi exciteur. Ce que Rocky a mis It's également. Il a dit freaking noix fumigène plus champignon excité, mais bon, on a compris que c'était le Champignon champi. Mais en fait, je excité, savais que ça m'est c'était bien. Excel Shroom, mais je savais plus le nom en français. Genre, j'ai joué en anglais. Du coup, j'étais en mode, je sais pas ce que ça devrait faire. Nick. Et Vermi, il a dit exactement la Le même coup, chose, donc c'est parfait. c'est une des seules recettes que je connais en français parce que bah genre j'ai pas, enfin c'est une des recettes que j'ai fait depuis que je joue à la saga en fait. Donc Bah oui, normal, c'est l'une des premières. En fait, je sais qu'il faut les Et champignons, les exashrooms, ils servent que à ça, et puis la noix fumigène, parce que bah, tu balances une fumigène à tes pieds quand tu te barres. Voilà. C'est mon raisonnement. mais bravo, vous avez tous répondu. Enfin, vous avez tous bien répondu. Oula, non, pas 88, le chat, on se calme, 8 points. Bon, par contre, vous me saoulez parce que 88 dès points. que j'ai la réponse, Oh vous l'avez no. aussi, en fait. Donc, arrêtez. Par pitié, Donc ayez faux un jour. ça fait un point chacun. En Oui. fait, t'en sors bien là, non? Oui. En vrai, je suis pas mal. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, je suis bien, mais vous êtes très très bien, du coup. Alors, Mais là, là, j'ai maintenant. vraiment de la chance. J'ai l'impression que le quiz il est fait pour moi, genre c'est. Enfin, Comme genre c'est par hasard, archi là, on grave. parle des armes, de la méta. Enfin, je sais quand même. Là maintenant, ça va être une question histoire. La question histoire, elle vaut 3 points. Nevermind. Ça veut dire que, en gros, là, ce que je vais vous demander, vous allez devoir trouver un chiffre exact. Et si vous vous trompez, si vous avez un point d'écart par rapport à la vraie réponse, vous avez un point au lieu de 3. OK? OK. Donc, c'est-à-dire que même si vous trompez à plus ou moins un, vous avez quand même un point. OK, Vermi. La question est, combien d'armes sont sorties depuis la création de Monster Hunter?
Oh merde. Ah ouais, mais... spin-off? De type d'arme, hein. De type d'arme, hein. Pas arme genre tu comptes le nombre de katanas qui sont sortis. Je oui, je oui bien sûr, mais... type d'armes qui sont sorties. Et spin-off compte depuis ou pas? La création de Monster Hunter. Ah bah oui, bien sûr, depuis la création de Monster Hunter. Ok, ok. Ok, le Let Me Cook. Dans les jeux, on est d'accord? Oui, dans les jeux. Ok. J'ai tellement envie d'aller dans le Channel Roll et de compter là. Avec spin-off, toutes les armes qui existent. Hein. Oui, je sais qu'il n'y a pas tout, mais ça me donnera au moins la base, tu vois, parce que là, recompter toutes les armes de base, déjà, c'est... Oh, les variantes des armes, ça compte ou pas? Genre... Ah ouais, mais je peux pas te dire. Non, on dit rien. Genre, tout ce qui est considéré une arme qui a le arme. Même nom, mais qui se joue pas du tout de la même manière, genre. Tout ce qui est considéré comme... comme arrêtez de parler, j'arrive pas à compter. Le chat, terrible. Merde, le chrono. Et en vrai, ça, tu peux le reconnaître par rapport aux icônes d'armes. Ok. Ouais, I guess ça devrait aller, du coup, je pense. Vas-y, nique sa mère. Comment j'ai pu oublier ça? On est en train de bosser dessus, en plus, pour le ramener, genre. Ok, faut que je pense au JDR. Faut que je pense au JDR. Là déjà je suis à 15. Donc ça fait combien ça en tout? Ça fait ça? Ok, je suis relativement confiant en vrai. Alors. Même si je sais pas si ça, si il va pas me manquer une, ça dépend comment t'as défini le truc en fait. Partir là-dessus. Ok. Alors le chat s'est mis d'accord sur quoi? J'ai pas vu. Ah, mais j'espère juste qu'il n'y a pas des trucs obscurs de MH que j'ai pas compté. Ah, je pense que... Ah, en fait, on a déjà pas mal discuté tous les deux d'armes. Du y a, coup, y en a, je suis sûr qu'il y en a un. Je suis sûr que t'en as un que tu manques et je pense savoir c'est lequel. Parce qu'il est apparu dans... Enfin, genre, ça a tellement aucune raison d'exister, en fait. Quand même, les armes, je me suis pas mal renseigné. Oh merde, je suis en train de regarder le chat, il y a rien de plus. Sa mère. Alors, on va rigoler. Alors, du coup, c'est terminé. Oh putain, je crois que Vermite, on a déjà parlé de ce con. Personne n'a bon. Ça, c'est sûr de ce qu'elle t'a oublié, c'est sûr et certain. Il vous manque à tous, sauf à Rocky, parce que Rocky lui en manque. Non, attends, juste je dis un truc. Si tu considères la putain de Switch Hack de Frontier comme une arme en plus, je te casse la gueule, genre. Parce que je vais péter mon crâne. Bah okay. Non, parce qu'elle a la même icône. Techniquement, d'un point de vue lore, la Switch Hack. Ah non, c'est juste que moi je sais pas compter et je sais qui c'est qui manque. La Switch Axe de Frontier, c'est techniquement une arme, c'est une Switch Axe qu'ils ont remodernisée. C'est une Switch Axe antique qu'ils ont récupérée, qu'ils ont modernisée. Mais en soi, ça n'a rien de différent d'une Switch Axe classique. Vermi. Tu m'avais pas parlé dans un jeu où on pouvait jouer les chats. Si. No way, ça compte. C'est pas une arme. Si, bien sûr que si, c'est une arme. Ah, j'ai envie de mourir. Les palicots, enfin le Miaroudeur est une arme introduite dans Monster Hunter Double Cross, enfin Cross en l'occurrence. Et c'est bien considéré comme un type d'arme. C'est connard. Tu sais, le pire Vermi, c'est que genre, dans ce que tu as mis là, moi je pensais que t'avais oublié les Bogen, enfin le Medium Bogen. Mais en fait, j'ai compté le Medium Bogen, j'ai compté l'Axelax, mais je n'ai juste pas compté en fait. Du coup, j'ai mis 17 au lieu de 18. Parce que vu que je comptais sur mes doigts comme un connard, et qu'à chaque fois j'oubliais une arme et qu'à chaque fois que je recomptais, j'étais en mode, alors attends, il y a le marteau, il y a le machin, est-ce que j'ai déjà dit l'insecto? Merde, je recommence. Et du coup j'étais en mode, donc en gros c'était bel et bien 18 comme toi, mais voilà. Au départ j'étais parti sur 18 également, sauf que après m'être bien renseigné pour le quiz, les miaouders sont considérés comme une arme, parce qu'il y a l'icône, c'est techniquement une arme dans Monster Hunter.
C'est un type de gameplay que tu utilises dans le jeu. Donc oui, et puis quand bien même tu considères pas les chats en tant que tels comme une arme, ils ont quand même une arme, eux, quoi. Oui, c'est infernal. Donc mais bon, tu peux t'en sortir comme ça. Et le pire, c'est que tu sais, j'ai eu la réalisation. Après, j'étais en mode, mais attends, et il m'en a déjà parlé. En plus de ça, ils veulent mettre dans le JDR et tout. J'ai pas pensé. Pourquoi j'ai pas pensé à... Comment j'ai pas pu penser à ça, genre. Mais du coup, donc, si j'avais bien compté et que j'y avais pensé après, j'aurais pu mettre. Mais c'est pas le cas. Du coup, personne n'a juste, hein, je crois. Personne n'a juste. Enfin, en fait, comme. Lis pas le chat, Arden, lis pas le chat. Sache que. Comme, on t'invite à aller en enfer, on t'invite ouais, à. Ouais, je sais. Hein, attends, en vrai, j'aurais considéré. C'est-à-dire que j'aurais considéré la Switch Axe de Frontier comme une arme différente, j'aurais eu raison, mais pour les mauvaises raisons. J'aurais tellement dû faire ça. Clairement. Par contre, je sais pas pourquoi tu considères la Switch Axe de Frontier comme une arme différente. Parce qu'elle a un autre nom, genre c'est Switch Axe F mon cul, et en plus, c'est Switch Axe en version comme ça, tu l'as pas en version de base. Je vois, je vois. Mais non, Medium Bogun en fait, et Axel Axe, j'avais compté. D'ailleurs, j'espère qu'un jour l'Axel Axe reviendra parce qu'une hache avec des réacteurs à l'arrière, ça a l'air trop bien, putain. Bah, c'est une arme faite en Valstrax. Hein, oui, oui, clairement. Du coup, ça a l'air mais bien. Mais attends, du coup, t'as oublié une arme, Loki. Parce que t'as 17 et tu dis que t'avais compté quand même l'Axel et la. Oui, c'est juste que je t'ai dit que je n'ai pas compté. Ah, t'avais pas compté jusqu'à 18, ah, dommage. Voilà. En gros, c'est que vu que je comptais sur mes doigts comme un idiot, j'ai dû oublier une arme à un moment et j'ai pas compté. Du coup, t'as pas de points, c'est triste. Mais de toute façon, si j'étais à 18, après, en tous les cas, il avait pas les chars. Hein. Donc. Oui, mais il aurait pu avoir un point. Ouais, personne. Parce que là, Vermi, le chat, ils ont un point. J'ai dit et que si vous aviez un point de différence avec la vraie réponse, vous aviez un point et non trois. Parce que si vous aviez trouvé 10, j'avais pas entendu ça. Et oui, mais non, mais oui, je suis con. Donc oui, si j'avais bien compté sur mes petits doigts, eh ben, j'aurais eu un point, en effet. Voilà, ça m'apprendra. Je vais mourir un peu, là. Ok. Dernière question avant de passer au blind test. Une question sur le lore qui vaut 3 points. Quel style de chasse a été inventé par les habitants de Berna et pourquoi ? Je sais même pas qui c'est. Oh, avec leurs espèces d'alpacas de merde là qui se baladent dans la ville. Putain. Le chat a 2 minutes. Le chat a 2 minutes. Pour me dire quel type de chasse a été inventé par les habitants de Berna. Qu'ils ont et pu inventer ces connards. Hein. C'est une question du lore, hein, c'est normal. Je sais même pas qui c'est. Au début, j'allais dire la chasse sous-marine, mais Hermine a parlé d'alpaga. Oui, non, c'est vraiment genre des alpagas. Ils ont des alpacas de merde qui se baladent là. Ils ont de la fourrure, je sais même plus comment ils s'appellent. Attends, il y a des moufis, c'est des moufas. Ouais, voilà, des moufas. Des petits voilà. Moufis. Moi, je dis, le moufi, c'est mieux que le pookie. Je dis, hein, j'annonce. Hein. En vrai. Ok, je sais que ça, c'est par la guilde, donc c'est évident. En vrai. Ah, putain, est-ce que ça, c'est pas par genre les Wolverines ou un truc à la con. Alors, il reste une minute pour le chat pour se. En vrai, je sais pas pourquoi celui-là il me parle. Je sais pas pourquoi il me parle celui-là. Je vois pas les autres. Faut me donner la raison aussi, Vermi. Quoi ? Non, mais ta gueule ! J'ai dit quel style ils ont inventé et pourquoi ? Mais quel enfer, hein ? Ah, en vrai, parce que ça peut pas être les autres, ça te va ou... De quoi ? Ah ! Enfin, si t'as pas la raison, t'as la moitié des points, quoi. C'est dommage. Ok. Que le chat. Le pavé de Saint-Saint ! Ouais, mec. Attends, quoi ? Quoi ? Non, on peut pas dire ça en stream. Hein. What the fuck ? Ah, pour le montage, je vais bien m'amuser, ça aussi. Le chat, le stream ne voit pas, t'inquiète. Donc. Le stream ne sait pas ce que j'ai écrit.
Aura pas besoin T'inquiète, de. je le mettrai dans Je le pense pas que ça montage, les aide sur. beaucoup, hein. Je le mettrai dans le montage pour le truc, ça pourrait être drôle. Ok, Ouais, après donc. tu peux montrer, Alors hein, attends, ouais. j'ai pas Oui, bien compris, sûr. c'est quoi ton. C'est un vrai style que dont tu parlais, Rocky, ou c'est juste que t'as pas le nom? Ah non, moi c'est du full. En gros, il parlait des styles de chasse de GU. Ouais, je me doute, hein. Moi c'est full random, hein. Moi c'est. D'accord. Bah, attends, me dis pas qu'il y a J'ai vraiment ça qui rien. existe, hein. Du En coup. tant que style, non. Donc, bon, bah, Rocky, évidemment, ta réponse n'a pas de sens. Moi, j'ai dit que Vermine, c'était toi, la tu as chasse en dit. échasse du cul. Vermine, il a dit que c'était le style alchimie parce qu'ils sont isolés, donc ils ont besoin de craft. En vrai, j'aurais accepté ça si ça avait été si ça avait été le village de Qatar. Parce que techniquement, à Qatar, ils ont inventé l'alchimie. En tout cas, ils sont très célèbres pour ça. Mais c'est pas la raison. Enfin, c'est pas ce style qu'ils ont inventé et c'est pas la raison pour laquelle ils l'ont inventé. Et le chat, par contre, ils ont mis que c'était le style aérial parce qu'ils habitent dans des Voltigeur. montagnes. Ouais. Parce qu'ils habitent dans des montagnes et que ça leur permet de mieux se déplacer. Et c'est effectivement le cas. Oh oui, Ils ont ça fait du inventé le style sens. voltigeur pour pouvoir mieux se déplacer dans les montagnes qui sont très escarpées et très compliquées pour grimper. Ce qui explique aussi pourquoi ils ont des habits très style montagnard, qui font beaucoup penser à l'Alsace-Lorraine, Tiens, je me l'Allemagne, ce rappelle genre plus de que choses. c'était si montagneux, Berna. C'est pas genre ultra plat, genre Mais dans le mec, fond t'as et tout. parlé de putain d'alpaga. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas réfléchi 2 secondes, mais genre, En fait, moi, dans ma tête, c'était je ultra connais pas plat les parce que. styles, mais j'avoue que j'aurais connu les styles. J'aurais pas mis alchimie, j'aurais mis voltigeur, ouais, parce que ça me semble logique que les mecs se baladent en insectoglave D'accord. dans les montagnes, tu vois. T'aurais dû me. L'insectoglave, par contre, c'est dans 4 U. Oui, Ouais, non, c'est mais pas le bon faut. jeu, hein. Bref, ils voltigent, ouais. Et t'aurais dû me dire, est-ce que je peux avoir des propositions? Ah, c'est qu'il y avait des pro. Pas qu'il y avait les pro. Bah, t'aurais eu, Tu peux toujours t'aurais eu un demander. point, S'il y en quoi. a pas, tu vas te faire foutre. Mais Oui, au voilà, c'est moins, oui, en soi, c'est j'aurais pu ça. demander. Non, mais en effet, c'est les Du J'adore à coup, le chaque chat. fois Ah oui, qu'on non, dit du ce coup, vu que c'est un truc à qui met propale, le. c'est 3 points, c'est ça? Ouais, Donc en exactement. gros, ils ont pas 10, ils ont 12. Et Crolis, il me fait trop rire avec son émoticône avec le Kuluyaku. Le Kuluyaku qui flex, hein, incroyable. Comment ça? On va passer sur les blind tests où il faut. Enfin, là, du coup, c'est comme d'habitude, hein, vous avez un bout de son. Vous devez trouver la musique que c'est, la musique. C'est attribué et vous gagnez 3 points si vous trouvez la musique. Là, on est sur la numéro A. Vas-y, Attends, je vas-y. profite 2 secondes de tout balancer. Ah oui, d'accord. Voilà, et maintenant, on peut y aller. Alors, attends, je vais Attends. tout de suite baisser le son. On commence Normalement, par le là. son Ah, on est. est d'accord. Oui, Normalement, oui. le son est déjà baissé. Ouais, mais je préfère. Pour mes oreilles à Mais moi, oui, parce que. on commence par la A, effectivement. Ok, alors attends. Je lance, et si je vois que c'est trop faible, je remonterai le son après. Putain, c'est encore un monstre que j'ai fait il y a très très peu Ah, de mais t'es temps, peut-être genre déjà peut-être entendu. hier ou avant-hier. Mais en fait, quand t'as balancé le premier, je pensais qu'on avait balancé un par Oh putain, c'est. Alors je remets pour le chat, écoutez bien. un. Oui, pourquoi je connais ça aussi bien, genre? Et vous avez 2 minutes. J'ai envie de mourir. Je connais beaucoup trop bien en fait. C'est archi grave. Bon, le chat a déjà trouvé, hein. Mais oui, mais la Bon, musique est trop direct. reconnaissable, c'est une dinguerie que je trouve Oui, pas en fait. clairement. Donc vu que le chat a déjà trouvé, je sais que c'est dans World. Bon, peut-être pas, hein. Ça peut être dans 4 rues ou dans Trail. Hein. Je rappelle que pour Trail, ils ont trouvé J'ai aucun le thème assez de la reine psychopathe. Hein. tour 1. Hein. Non, mais je veux dire, c'est Mais. que je dis le chat a trouvé, donc moi je peux dire que ça vient de World. Genre, je suis sûr à Ah, ok, 100% bon. que ça vient de World en fait. Oui, je pense aussi que ça vient de Comme World, en ça, vrai de vrai. tu aides Vermi. Oui, non, mais Sera bien. Non, en vrai, c'est une Je sonorité sais très qui c'est que ça World. vient de World aussi, genre PTD. Spoiler,
Vas-y, je vais tester ça. Je suis vraiment pas sûr, mais nique sa mère. C'est ça que ça me fait penser. Mais ça va encore pas être une OST de monstres, ça va être encore une OST qui tourne avec genre 15 monstres différents parce que c'est dans une arène à la con. En fait, j'ai un gros problème. Oh, nique sa mère, je mets ça. J'ai un gros problème. Mais oui, ça m'énerve. C'est que j'ai un Alors, doute entre deux trucs. je veux un peu plus de précision, Rocky. Putain, nique sa mère. Bon, allez, j'en enlève un et tant pis. Je sais que c'est pas son thème, mais je sais pas pourquoi ça me fait autant penser à lui, genre. Je sais que c'est pas son thème. Mais j'ai J'ai rien ça, d'autre qui me vient mais à je suis l'esprit. quasi sûr que c'est pas ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah, ok, vous êtes parti là-dessus. D'accord. Mais je suis Et bah sûr que du c'est coup, pas ça, hein. Mais je mets ça quand même. le chat, il reste Moi aussi, 5 je suis sûr. secondes, ils ont quasiment fini, ils se sont mis d'accord sur le truc. Ok, Ah, parfait. je viens de Alors, du regarder coup, le chat, vous avez tellement raison. et Oh! ouais, et ouais. Donc, Ah, je me c'est pour croyais. ça que j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai demandé une précision, parce que comme tu m'as mis biome corail, je me suis dit, est-ce qu'il parle du fief glorieux ou est-ce qu'il parle du plateau corail? Moi, je parlais Et du donc, du plateau coup, vu. corail. Ouais. Et du coup, donc toi, tu as mis musique Namiel. D'ailleurs, ça s'écrit pas comme ça, honte à toi. M'en fous. Écris ça Et. comment? Oh l'enfer, hein, Namiel l'enfer, genre. C'est vague de l'enfer en fait. Oui, mais moi, pour moi, c'est comme ça que ça s'écrit, en fait. Pour moi, c'est la vague de l'enfer. Ce mob, c'est la putain de vague de l'enfer. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est quoi sa translation, Donc, du coup, au mob, au Namiel? ce n'est pas la musique du Namiel. Et pour Verny, lui, il a pris l'Odo-Garonne. Alors, l'Odo-Garonne, lui, c'est plus de. C'est un côté beaucoup plus piano. J'allais dire, c'est pas long, ça. C'est la musique du Valpuitride. La musique du Valpuitride, elle est beaucoup plus en piano avec autre chose derrière. Je ne saurais plus dire Il exactement ce que y a c'est. beaucoup de violon aussi dans le Valpuitride. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est ça, le violon, c'est plus le Valazac que le Dogaron. Combien de Oui. points pour le chat? Un point, trois Mais points? du coup, c'était quoi? Non, 3 points. 3 points Trois pour points? le Il chat. passe à Et quinze. le chat a dit que c'était la musique du Fief Glorieux. Mais c'est fou le fief glorieux en Oh, fait. c'est C'est pour ça pour qu'on la connaît si bien. ça! C'est pour ça qu'on la connaît si bien cette musique de con. Oh, En sa fait, mère, c'est pour il y a ça! un moment de la musique où ça fait très très féerique et du coup j'étais en mode pour moi c'est le corail. Plus précisément Namiel, tu m'as demandé des précisions, j'étais en mode ok, bon bah c'est soit corail, soit Namiel, c'est un des deux. Je me suis dit nique sa mère, le Namiel étant dans le corail, c'est peut-être pour ça que je suis biaisé. C'était pas Namiel. Et pour être plus précis, c'est le tout début de la musique. J'ai hésité à prendre une petite partie un peu Non, obscure de la ça c'est musique, sûr. mais en fait, ça c'est vraiment le tout début. Dès que tu commences à combattre, t'as cette chanson qui rentre en compte. Du coup, on passe sur Ouais, la c'est quand t'es à musique B. 6 là, il y a tout un truc à la harpe. Seconde, mais bref. La musique B Tout maintenant? à fait. Ça Alors, attention. musique B, de nouveau devant le chat. Vermine, lui, il a déjà fait son truc. Non, c'était Ah, c'était pardon. pour avant. Quel bâtard. Hop, je vous mets le chrono, le chat. Oh, deux. Oh. Oh, Pardon, Vermine, pardon. calme-toi, calme-toi. Pardon, pardon. Ah, je sens que pour le montage, je vais bien m'éclater encore une fois à te mettre un gif assez rigolo. Oh. Bon, déjà, j'ai le jeu, ça c'est évident. Après. Ouais, de ouf, mec, évident, mais. Oh, fou, oh là là! Mais c'est Qui l'avantage ne avec l'a ce jeu, pas? c'est que leur thème, ils le mettent sur toutes leurs putains d'OST. Ouais, non, mais clairement, mec, c'est tellement évident, frérot, Comment enfin. ça, leur thème, ils le mettent sur toutes leurs putains d'OST qui étaient... Genre, cette version de Proof of Hero, genre ça, cette partie en fait. Mais c'est pas Proof of Hero, qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est pas Proof of Hero, mais c'est. Ça reprend leur version de Proof of Hero de ce jeu-là en fait. Et l'intégralité de leur Ah OST, tu oui. retrouves cette mélodie-là, qui, genre, c'est quelques notes. Oui, tu retrouves quelques petites notes, effectivement. En même temps, ça Phase de reste quand même progression plutôt. Mais c'est lui! Mais c'est lui en fait! Elle est mémorable en plus. Alors, c'est elle d'abord. Là, tu te trompes en fait. Enfin, tu as juste tort.
Non, je t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Et pourtant, tu sais que j'ai raison. Alors, le chat, eux, ils sont à fond. En même temps, enfin, je veux dire. Mais de toute façon, ça peut être que deux mobs et je sais que c'est pas lui. Donc, c'est forcément l'autre, en fait. C'est bien, mais je sais très bien que quand tu hésites, il faut faire ce qui est juste et bon. Après, c'est vrai que t'as loupé le début. Ça peut être que lui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la tournée de 4. Ouais, t'as loupé le début, c'est pour ça, mec. Hein. J'ai mis la musique au début du live. J'aime bien comment il précise le titre du jeu alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Bah, en fait, j'ai essayé de me narrow. À la base, j'étais parti sur c'est fini le chrono non, ou pas? Non, il a pas répondu, Rocky. Mais si, j'ai répondu, mec. Hein. Ça, c'est ma vraie réponse. Hein. C'est ta vraie réponse, hein, d'accord. Ok, j'étais parti. À la base, j'étais parti sur MH3, mais je me suis rappelé que l'Alatrion, il a pas ce thème-là. Du coup, ça devait être l'autre. Donc, pas MH3, mais MH3, quoi. Ouais, c'est le dire bien Alice. Le chat aussi l'avait trouvé. C'est le début de la musique du Dire Miralis. Ok. Enfin, non, c'est pas le début. Pas le début. C'est le refrain. C'est le début du refrain. Et ben c'est super. Du coup, ça fait 3 points pour Luchat et 3 points pour Vermi. Vermi est au coude à coude. Hein. Il veut conserver son titre. Au coude à coude. The reigning champion. Bon, il y a 18 à 12 quand même. Hein. Oh shit. Ah non, j'avoue, c'est chaud en vrai. En vrai, au coup d'un coup de PTDR, hein. Il est à la plante des pieds. Par rapport à toi. Après, je peux gambler 10 points encore, du coup. Ouais. Ah, moi, j'ai envie de mourir, là. Et là, on est sur la dernière musique. Dernière musique de la dernière radio avant la pause. Okay. Attention, êtes-vous prêts? C'est parti. Non, mais nique ta race, en fait. J'avoue que là, par contre, elle est dedans. Attention le chat, je vous la remets parce que c'est technique. Eh, ça va, les gars, arrêtez. Tout le monde reconnaît. Je suis sûr que tout le monde connaît. T'es prêt, le chat? Je vous la remets, le chat, parce que c'est très technique. Le chat, sur écoutez. T'inquiète. Je vous la remets un petit coup au cas où vous n'auriez pas compris. Le chat, ils sont comment? Ils connaissent à la note près. Du coup, voici ma réponse. Attends. Envie de mourir. Non, je vais être un peu plus dans le... Oh, wait. Je vais être un petit peu plus dans la démonstration. Alors, attends. Voilà. J'ai deux réponses, c'est vraiment... Je ne peux pas faire plus de deux opposés, en fait. Tu sais que je vois le stream, hein. C'est pas grave, je m'en fous. Tu as le message quand même. Oui, Il n'y a que Vermi qui essaye de gratter les points. Mais en fait, genre... Oh, je vous la remets le chat, parce que c'est vraiment très technique quand même. Hein. J'arrive pas à me retirer de la tête le fait que j'ai l'impression que c'est dans un temple ou un truc à la con, mais d'un autre côté, je me dis, putain, mais... Genre... Merde, j'ai oublié de ranger ma sauce salade. La réverb est bizarre, en fait. Ah non, je l'aurais pas. Je ne pense pas. Oh non, Vermi n'aura pas l'option. Il va tellement se faire distancer par le chat. Il reste combien de temps? Je sais pas. Ah mais il a pas mis chrono, l'autre. Oh merde. Oui, bah, j'y pense pas. Oh ouais, j'ai dit qu'il fallait me le rappeler. Il te reste 10-15 secondes, à mon avis. Bon, voilà, on est pas mal là. Ah, attends, c'est simple, mec, il est 38, j'ai envoyé mon fuck à 36, donc il restait 0 temps en fait. Le mec, il. Quoi? Pourquoi tu me sors un jeu qui n'est pas du Monster Hunter? En vrai, attends, je vais juste vérifier que ce soit bien cet OST là, mais je te jure que ça fait pareil. Ok, je me suis trompé d'OST, c'est pas grave. Mais il y a une essai de ce jeu qui marche pareil, genre qui commence pareil. Bon bah, du coup, il n'y a que le chat qui a proposé et le chat a eu raison. Il s'agit bien de la musique du Fata Blanc. Oh, c'est avant. Oh. C'est les premières notes du Fata Blanc. C'est au tout début de la putain quête. Bien vu. Ouais, le Fata Blanc, ouais, que de souvenirs en effet. Hein. En effet, Shadow Snakers, pouf, oh, le plaisir, ce monstre, waouh! Putain, crevé.
Non, mais vous verrez quand on Incroyable. fera des émissions et ça parlera de Wild et que je vous mettrai des pâtés monumentales parce que ce sera un jeu que j'ai fait cette fois. Ah, forcément, vous gagnez, j'ai pas fait les jeux. Je pense qu'en vrai, à la sortie de Wild, je pense que la première radio qu'on fera, c'est sur cette partie du jeu. Hein. Sans spoiler, hein, bien évidemment, parce qu'à mon avis, je pense que les gens ne sont pas. Comment ça, tu veux pas que le jour 1, on passe du bol de fin de Wild? C'est trop bizarre, mec. Il fallait être plus rapide. Bah ouais, les mecs, alors, c'est que vous êtes lents, c'est tout. Comment ça, vous avez une vie? Du coup, on va passer au pixel. Il reste 3 pixels. Donc, Vermi, il serait temps de oh gamble si tu veux t'en sortir. Je rappelle les règles du pixel. Vous gagnez 5 points si vous trouvez au premier pixel, 3 points si vous trouvez au deuxième, 2 points au troisième et 1 point au quatrième. En vrai, je vais gamble maintenant, sur le premier. Ok, tu gambles maintenant au premier. Ouais. Ah ouais? Tu gambles au premier? Je gamble au deuxième. Je réfléchis. En fait, soit je gamble tout pour essayer de rattraper le chat, soit... Après, je gamble pas tout pour points, rester devant Rocky, en fait. Façon, ah ouais, on est à ce points, stade-là, là. Tu veux juste pas être derrière moi, mec? Après, en vrai, je perds quoi? Je perds 10 points. Je peux quand même repasser devant toi avec 2 pixels, en vrai de vrai. C'est vrai. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, là. Mais tu n'as pas pris en compte que j'allais juste tout trouver dès le premier coup, à chaque fois. J'avoue que t'as ton grumble aussi. Non, vas-y, j'ai gagné la semaine dernière, on va essayer de rejouer pour la première place. Vas-y, Joline. Joline. Ok. Attends, t'es où? Ah, OBS, là. Bah du coup, tu peux pas all-in, mais... Il fait plus 10, moins 10, quoi. Oui, mais t'en as 12 des points, donc tu peux pas all-in. Bah si, j'ai pas le droit à avoir 15 vu que j'ai gagné la semaine dernière. Non, mais le all-in, normalement, c'est 12. Et toi, tu peux gamble max 10 points. Et on a oui, non, j'all-in ce qui m'est disponible, quoi. Ok. Allez, c'est parti. Pourquoi Discord est pas... Je montre l'image. Ok, c'est bon. Bizarre. Oh merde. Ça recommence. Oh non. Pas encore. Le chat a 2 minutes, bien évidemment. Ah, petit. C'est quoi cette merde? Mais à chaque fois, j'ai l'impression que tes putains d'images sont coupées. Hein. Genre, vraiment. En plus d'être en pixels, elles sont crop. 5 putains de pixels. Putain, c'est archi grave. Ah, je suis pas content de pas avoir Campbell maintenant. Je suis peut-être... Attends, là. Oh merde, est-ce qu'on l'a déjà vu dans les pixels, lui? Oh, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Non. On est d'accord. Est-ce que je peux te demander, Raven, si on a déjà eu un monstre dans les pixels? Et tant pis si, du coup, j'ai les autres de la même manière, ou pas? Bah, tu sais très bien qu'avec moi, jamais on a le même pixel. On n'a jamais le même monstre. Oui, mais je ne me rappelle plus, en fait, si on l'a déjà eu. C'est ça, le problème. Alors attends, je vais te dire les monstres qu'on a déjà eus. Ok. Alors, on a eu. Ce sera plus simple, en vrai. Alors attends, il faut que je retrouve. On a eu le Jinga, le Tama, le Dodogama, le Blangonga, l'Alatreon. On a eu. Ça, c'était pour le premier quiz. Pour le deuxième, on a eu le Tobi Kadashi, le Navaldeus, le Dino Valdo, le Kushala Daora et le Malzabo Primordial. Et pour le troisième quiz... T'as dit le Daora? Oui. Oui, le Daora, j'ai dit. Ok, bon, nevermind, du coup. C'était lui que j'avais en tête. Oh. Et pour le troisième quiz... Parce que je pensais à son étou rouge. On a eu le Yangaruga, le Kurupeko et le Doamagala. En vrai, je n'ai... aucune idée. Juste c'est mettre, juste mettre ma beloved. Le...
con pour suis le quasi gamble, certain là. que c'est pas la bonne réponse, mais on sait jamais sur un malentendu. Je vais juste mettre My Beloved. Juste pour le même, quoi, vraiment. Et tu vas pas mettre la Velcan? Y a pas de bleu. Moins que la Velcan soit pas ta bille. Vas-y, j'attends la prochaine étape. Du coup, attends, j'avais gamble 10. Y a combien d'étapes? Y a 4 étapes. Donc là, je passe à un gamble de 7, vu qu'on arrondit à inférieur. Ah, d'ailleurs, c'est fini. Hein. Ok, le chat a trouvé. Ok. Comme d'hab. Le chat a trouvé. Mais vous savez quoi? On va pas. Je vais pas vous dire vos propositions. Je vais juste montrer l'image d'après pour que vous voyez ce qu'il y a. Ok? Ah ouais, c'est que c'est simple à ce point et qu'on s'est fait baiser à ce point, c'est ça là? Parce qu'on est des guignols. Mec, je crois quoi, hein. Du coup, image suivante. Je peux arriver à 19 si je laisse celle-là. Tu te fous de notre gueule. T'aurais pas fait ça quand merde. Même. Attends, je crois que j'ai une idée, mais si c'est ça. Oui, tu rouges, hein. Ah si, si. Le chat est trop fort. Hein. Ah, oui, pas, mais non, c'est pas parce qu'il ressemble à un humain que... Oh, je le vois. Genre, vraiment, c'est un skin Minecraft, le truc. En effet, oui. J'ai fait exprès que ça ressemble à ça. Je te déteste. Oh, la dinguerie. Je te déteste. Le chat dit pareil, il voit un perso de Minecraft. Oh, je veux ce skin. Je vous déteste tous, sachez-le. Vous qui avez trouvé au premier putain, pixel alors qu'il y avait 5 putains de couleurs. 5 mais c'est, pixels, mais c'est ni... 5 pixels, 3 couleurs, what the fuck le chat. Quoi. Pourquoi dites-le que vous si avez piraté l'Ordi Draven et que vous regardez directement les réponses. J'ai pas fait un épisode du Lord dessus. Waouh. J'ai envie de crever. Putain. Attends, mais ça peut être lui. Attends, j'ai... Mais non, j'ai pas eu bon avant. J'ai pas dit que t'avais eu tort. Non, t'inquiète. Non, c'est bon, t'es en train de me... Non, mais j'ai pas dit que t'avais eu tort. J'ai juste dit, je vais pas vous dire les propositions et on va passer sur l'image d'après. Ça veut dire qu'on avait non, peut-être tous les deux gueule. Juste et genre, tu ne l'as pas dit. T'inquiète, si vous aviez eu bon, en fait, c'est juste pour aller de plus en plus sur l'image pour qu'à un moment, vous ayez la révélation, en fait. D'accord, mais la révélation. C'est que... Mais je me dis que ça peut être lui parce que, bah, de toute façon, il y a un autre qui est comme ça, mais c'est... Il n'y a pas de rouge dessus. Et sur sa variante, il n'y a que du rouge. Donc c'est un peu par élimination, mais... In no way. Percy Kazé qui dit que le somme se sent sur toi, Rocky. Je vois pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas de somme. Moi, je vois un perso de Minecraft. Ça, peut-être. Mais vas-y, moi, en fait, les pixels, ça. Je suis baisé. Mon cerveau n'est pas fait comme le vôtre. Les pixels, je vois des trucs que vous ne voyez pas et inversement. Moi, je vois pas un mob de MH, là, en fait. Mais en quoi c'est censé m'aider? Non, ça, mais no way! Et en plus, ils donnent pas les propales, donc je sais même pas des. Oh, ça mais... Je sais oh, même pas ce que Vermi a dit avant. Est-ce que. Du coup, oh, il a pu penser comme monstre. En tout cas, toi, Rocky, tu n'as pas bon, ça c'est sûr. Lol. C'est sûr que j'ai pas bon. La première, c'était un peu du pif parce que les couleurs étaient bonnes, mais. Bon, du coup, Vermi, c'est bon, t'as trouvé. Bah, je suis quasiment sûr que c'est lui. Hein. Bah, c'est un des deux que j'ai mis. Ça, c'est quasi sûr et certain. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais je crois que c'est. Bah, là, quand même. Là, maintenant qu'il y a un peu plus de pixels, tu devrais pas. Mais il était plus violet dans mes souvenirs. Hein. Je sais même pas si ça existe. Je tente. Ah non, mais tu confonds ça sous espèces. Peut-être. Ça n'existe pas, ça, Rocky. Je suis fou. Ça n'existe pas, mais c'est ce que je vois, d'accord.
Bah, c'est tout Pour pour voir moi, hein, qui. je pense. Hein. Je pense que c'était bien lui, genre. Ah, Je par mets la contre, je dernière sais pas où j'en image. suis. Hein. Je mets la dernière image. Bon, je pense que là Oh maintenant. oui, le Mais en quoi c'est censé m'aider batelier! cette merde? No way! Donc j'adore Vermi qui a piffé comme un bâtard et qui a gagné le gamble. Si ça Mais c'est du pas coup, une fraude. je pourrais plus le faire sur les prochains quiz. Il faudrait que je trouve un autre monstre à spam quand je sais pas. Oh merde. Mais Au par moins contre, quand t'as je fait dis un que le quiz a été t'as fait fait un pour moi, plus 15 c'est quoi. archi grave, hein. C'est Ouais, c'est archi grave, vrai. hein. Le pire, c'est que c'était vraiment le premier, tu vois. Le fait que t'aies dit que tu gambles au premier, j'ai fait. Mais non, c'est pas vrai. Oh, le mec, c'est un C'est génie. pure dinguerie. Ah, c'est bon, bien joué, Rocky. Du coup, Rocky, il gagne un point. Vermi, il gagne 15 points parce qu'il a les 5 points du pixel plus Qui les 10 de part, son hein. gamble. Et C'est le ce Q-Cap il putain de gagne 5 points. Diginox de con! Effectivement, c'était bien le Diginox. Non, ouais, Mais je sais c'est pas ce que rigged, c'est c'est le clairement Diginox. rigged. Moi, je l'avais jamais vu. Je sais que c'est une sous-espèce de Kaizu, mais c'est tout. Le chat, ils ont gagné combien? 5 points. C'est pas une sous-espèce de Kaizu. C'est un truc qui ressemble au Kaizu, tu m'as dit. C'est une espèce totalement différente. C'est comme le Respecte-le, Dahanmoran et genre. le Jammoran. Ce sont deux espèces totalement différentes, mais qui sont voisines. Tu sais que, d'ailleurs, fun fact, le Namiel et le Chameleos ont le même ancêtre commun. Tu mens. Non, c'est vrai, je te jure. Sur l'arbre Mais essaie pas de généalogique, détruire, essaie ils ont pas de le. comparer la Ils ont beauté le. inégalable du Namiel avec un truc violet qui devient invisible. Et le non, mais du coup, ça explique pourquoi ils maîtrisent à ce point la lumière. Ils sont capables de jouer avec la lumière tous les deux pour Oui, se fondre il est dans la marrant. masse, etc. Ça, c'est quand même intéressant. Putain de. Alors, attends, du coup, il faut Peut-être que que je je vois tes putains de l'utiliserai réponses, toi, du dans coup. un quiz. Ah oui, d'accord, t'avais vraiment mis Giginox et après t'étais parti comme moi sur Bah oui, Kaizu. pour le genre pour la Oh, blague, quoi, genre. je vois le genre. Ok. Quelle fraude. C'est C'est clair. archi grave. C'est trop drôle. Du coup, deuxième pixel. Et celui-là, c'est celui où moi je gamble. On avait dit que je gamblais sur le deuxième. Tu gambles sur le deuxième? Mais t'as assez? Tu veux pas genre attendre le dernier pour potentiellement gamble 10 points? Ouais, mais à chaque fois, le dernier, c'est le plus dur. Du coup, j'ai décidé que je Mais le ferais justement, sur là, le. mec, ça fait 3 fois qu'il a fait en sorte que le dernier soit le plus dur. En plus, il nous l'a fait remarquer la semaine dernière, 100%, là, il a inversé la tendance. Et c'est vu que j'avais autant de doutes sur la tendance qu'il avait choisi de prendre que j'ai gamble sur le premier. De toute façon, tu sais quoi, je vais même pas gamble, ça sert à rien, j'ai 5 points, PTDR. Vas-y, go. Tu gambles pas du coup? Non, ça sert à rien. Ok. Même en gamblant et en gagnant le prochain, je bats personne. Du Eh ben, c'est coup. parti pour le deuxième pixel. Oh, je vois deux trucs. Oh, Bah, moi, je vois un tas de caca, quoi. Et c'est pas un item qu'on doit trouver, donc ça peut pas être la bouse, hein. non, c'est pas un item. C'est pas la bouse, hein, du Ah. coup. Pourquoi Ah, je je vais vois autant tenter sa ça. gueule à lui? Pourquoi je vois autant lui en fait, genre? Je sais que c'est pas lui, mais je crois que c'est. Enfin, genre, je le vois trop en fait. Je sais pas si l'orthographe est bonne, mais je tente ça. Alors non, Rocky, ce n'est pas lui. Ok, ah Non, merde, mais ça, oui. pardon, excusez-moi le chat, Le j'ai chat oublié de vous mettre domine, le là. chrono. En vrai, je sais pas pourquoi je le vois autant. Mais en vrai, j'ai pas d'autres idées. Oh, j'ai une autre idée sinon après. Ok. Oh, wait. Ah. Alors, le chat Mais je vois galère. pas sa queue, genre. Si c'est ça. En vrai, enfin, je sais que c'est pas ça, mais genre, il a. On dirait, genre, juste la tête d'un Durham au premier plan, et ça me met trop, trop bien, genre. Moi, je vois toujours un La caca. tête d'un quoi t'as dit? D'un Durham.
du Rambos. Ah, le du Ramboros. On dirait vraiment juste la tête et il est en mode. C'est rigolo, tu as le même raisonnement que le chat. Non mais ta gueule, genre moi je pense pas que c'est la vraie réponse, hein. C'est vraiment, je suis en mode de, genre, il a juste, enfin on dirait vraiment qu'il a juste la tête au premier plan. Et qu'il est posé, genre. En plus, les couleurs sont vraiment, vraiment pas bonnes par contre. Il n'y en a pas un qui a... j'ai plus le nom. On en est où du temps là? Ouais, il reste 10 secondes. Grand chose. Je parle d'un truc random. Crabe coq, Lao Shen. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est lui qui sait qu'il y a un Lao Shen. Ah, c'est en, le Shen Yoren. Voilà. Je crois que le temps est fini. Enfin, pour moi, le temps est fini. Je sais pas si le... Ce n'est pas lui. Oui, oui, le temps est terminé. Rocky a dit que c'était l'Uragan. Ce n'est pas lui. Et les. Crowley, celui, il a du mal avec l'Australie, là. Ça déco tout le temps. Et eux, ils ont parlé du Duramboros rouillé. Non, mais c'est pas ça. C'est une blague, hein, les mecs. Personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Moi, j'ai déjà la réponse du prochain. Sauf si vraiment, ça change beaucoup. Pixel suivant et 2 minutes pour le chat. Ok, bah du coup, ma réponse, je vais la mettre quand même, mais je suis pas sûr. Il me fait trop penser à un truc que j'ai vu sur le stream de Bilal très récemment quand il a commencé son playthrough MH4U. Oh putain, je le vois aussi maintenant. Tu le vois aussi maintenant, d'accord. Ouais, hein. Ouais. Je pense que je vais mettre ça. Mais c'est pas un monstre. Enfin... On parle pas de la même chose, alors. Moi, je parle du truc où t'as dit qu'il allait être hyper heureux de l'affronter, et en effet, ça avait l'air d'être... T'as mis le chrono, Rocky? Ouais, normalement, j'ai mis le chrono. Ah oui, t'as mis le chrono. Ok, ok. T'es vraiment un bâtard. Hein. Je te dis que je le calerai de temps en temps en live, au pif. Je te déteste. Ça me gonfle. Tu sais que je me suis dit que j'étais... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui toque à ma fenêtre. Quoi. Alors sache que ce bruitage était dans une des musiques que j'écoutais quand j'étais à l'internat. C'était infernal. Hein. C'était... Tu m'étonnes. Parce que vraiment, il était... plein milieu de la musique, random, au milieu d'un drop, et j'étais en mode « Oh, les enculés, je les déteste si fort !» C'est super loin, et ça marche tellement bien, c'est un truc de fou, hein. Bah, en fait, c'est que moi, en plus, je l'ai en oreille droite, et quand j'étais à l'internat, la porte était à droite. Donc c'était vraiment, genre, horrible. Il reste 30 secondes pour le chat. J'ai déconcentré un peu. De toute façon, tu désactives la sonde-mort depuis ces bains. Ah non, hein. Si tu désactives la sonde-mort, Dormi, je la réactive. Il doit pouvoir rester longtemps, je pense. Enfin, moi, de mon côté, c'est bon. 30 secondes, je crois. Ah non, c'est bon, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Le chat, visiblement, c'est... Ouais, ok. Le chat s'est mis d'accord sur le blanc manga de cuivre. Tandis que... J'ai oublié l'existence de ce truc. Vermis est parti sur le Kechawasha, qui est pas bête au niveau des couleurs, et Rocky sur le Tigress Berserk. Et ben, vous avez tous tort. Les pattes sont cheloues. Tu pensais à quoi? Ben, moi, je pensais aux espèces de petits insectes qui se mettaient en boule. Non, je pensais au Kechawasha, moi. Je sais pas. Ben, j'ai pas regardé tout l'entièreté du truc MH4U, donc j'ai peut-être loupé le Kechawasha. Par contre, il y a un autre monstre du coup qui me vient en tête et les pattes seraient accurites. J'attends juste de voir pixel, la prochaine. Pixel suivant, l'avant-dernier pixel. 2 minutes pour le chat. Ouais. What? Pourquoi je vois un palico qui fume une grosse dé?
Franchement, vas-y, j'ai plus rien. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, hein? J'ai rien à perdre. Voilà. What? Non, c'est pas ça, Rocky. Ouais, je sais, mais j'ai rien à perdre. Ça doit Tu être peux pas encore un m'enlever de monstre la que je tête le connais pas, Coquelicot donc qui je t'avoue. fume. Je tente. Je tente des trucs Ah, avec les pourtant, tu monstres connais, que je Rogue. connais. Tu le connais, tu le connais. Attends, je m'en vais. Tu mens, c'est impossible. Ah, tu le connais. Et quand tu Ça vas va être avoir pas la beaucoup, réponse, tu vas hein. être dégoûté. Tu vas péter un Arrête-moi câble. C'est un impossible. camion américain. Attends, je reprends tous les Un mobs que je ref. connais avec du marron sur eux. Deux. Pas beaucoup. J'ai aucune putain d'idée. Ah, peut-être un en effet. Ah. Bon, tant pis, j'ai déjà mis ma réponse. Il restera un dernier pixel pour le point. Oh, ce serait incroyable, personne ne me trouverait, ce serait trop drôle. Ouais, je sais Ah, s'il reste un pas. pixel, j'ai une réponse encore possible, mais je crois que c'était le dernier sûr. Il reste 20 secondes pour le chat. Mais je crois que j'aurais même pas de réponse en fait, je vois rien. Ah, mec, j'ai mis au pif et comment? À l'amitié, je vois Martin de Kars. Wow. Je crois que toi aussi t'as le cerveau qui est mal fait, mec. Le pire, c'est qu'ils sont. Ici, t'as des pires Pixar ever, mais c'est pas grave. Oh, alors par contre, tu te calmes sur Cars, mec. Le 1 et le 3 sont bien. Ah oui, le 1 est magnifique. Très bon film. Je sais pas, mais il n'y a pas de jaune. En vrai. Et dans le 1, il y a déjà Martin. Donc, attention, hein. Ouais, mais bon, les trucs, ils sont. Enfin, c'est pas, ça fait pas partie des meilleurs Pixar. C'est un bon Pixar, mais c'est pas parmi les meilleurs. Ok. Du coup, oh, le Saint-Tabouret qui revient également. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû le prévenir sur Discord, le Saint-Tabouret, que on avait fini de parler de Du Wade. Je coup, suis con. il y a les réponses qui a donné la réponse, personne. Au niveau du chat, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ah si, en vrai, ils ont un truc. Bon, bah, du coup, je valide Rajang par rapport au chat. Et non, malheureusement, ce n'est pas le Rajang. Et Eh, hey, Hermine a c'était dit pas que con mon c'était truc du coup, Nersia. hein. Et Parce que moi Hermine a aussi dit j'avais que mis le c'était la rajang. Nersia, ce qui n'est pas le cas non plus, parce que la Nersia n'a pas de jaune. Donc, Ouais, c'est ce que je elle a disais, tous mais. des côtés violets, etc. Suivant. Le Saint-Abouré, nous sommes sur les pixels. Enfin, on est sur le dernier pixel, malheureusement. Donc, enfin, l'avant-dernier pixel. Et visiblement, bah, Rocky a dit qu'il était censé te prévenir. Oh, Du j'étais pas coup, censé je le prévenir, c'est que suppose j'aurais que. pu le prévenir. J'aurais pu mettre sur le Discord qu'on avait fini la partie Wild, en fait. Mais j'y ai pas Oui, pensé c'est sur le vrai, coup. c'est vrai. Tant pis. Du coup, dernier pixel pour un point. C'est parti. Mais Non, hein? je vois encore plus le T-Rex Berserk, là, en fait. Je vois deux trucs, moi. Il y en a un qui a vachement tiré par les cheveux, par contre. Les gens, ils ont oublié où on était. Hein. Non, ta gueule. Je vais péter mon crâne. Oh merde, je crois que je l'ai aussi. Précise, Verne. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr J'en étais aussi. sûr. Maintenant, je l'ai, c'est... Ok, je comprends pourquoi t'as dit que j'allais péter un câble, Raven. Ok, je comprends. Ah. Moi, j'allais quand même mettre la version facile à trouver avec les couleurs qu'elle a, le violet, le jaune doré et tout. Autant partir sur le mecha, Bah, en c'est beaucoup vrai, plus oui. drôle. Mais oui. Clairement. En plus, il est de dos, c'est vraiment infernal. Non, il est Ah. pas de dos, il est de face. Hein? Par contre, j'ai pas le temps de préciser, mais. T'as pas le point. Ah, bah, pardon. Oh, Mais bon, pas. dommage. Oh, zut. Oh, c'est vraiment dommage, t'as pas le point. Non mais En si, train de t'allais dire que modifier le c'était le message méca, d'écrire et hein, j'étais en parce mode que quoi, bon. tu me sors que c'était le ba de base, parce que Bah oui, de toute hein. façon, il n'y a que deux formes visuelles, quoi, genre.
Tu sais quoi? Si t'es RP, tu mets dans le chat rôle indécent. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, je crois que j'ai des bots pour. Je crois non, que. Ouais, il y a Koya qui permet de le faire. C'est un rôle indécent, je pense. Koya, il marche. Voilà. Et du coup, si tu as 50 ou moins, c'était la forme de base. Si tu as 51 ou plus, c'est la forme méca. Sinon, on peut faire un D2. Voilà. Fais un D2, du coup, fais pas un D2. Oui, je m'attendais à un D2, du coup, mais... Oui, personne ne fait un D2, tout le monde fait un D100. Tu l'avais pas fait le lancer? C'était juste pour vérifier que la commande était possible. C'est tout. Oh, merde. Maintenant, fais ton lancer. Parce que c'est toi qui dois faire le lancer. Eh oui, lui qui aime bien le gamble, le 50-50. Le pile ou face. Je vais faire genre. Je roule un des deux. Mais non, je fais une oubliée. Ouais, ça marche. Voilà. Bravo. Mika, okay, vous gagnez, donnez-moi mon point. Je t'avais déjà mis le point. J'ai gagné le pile ou face. Je t'avais déjà mis le point. Tu as ton petit point. Parfait. Le chat aussi a son point. Tout le monde j'ai mis son le point à tout le monde. Bravo. J'ai mis le point à tout le monde. Oui, mais c'était sûr qu'il fallait la Tolo Luca. Bon, après, attends, c'est... j'ai pas pris, ouais, d'accord, j'ai pas c'est... pris la version la plus simple. Hein. Ouais, non, j'avoue que compliqué. Et là, c'est le mecha qui est en face. En fait, là, t'as les pieds en avant, enfin, les pattes avant. Et en fait, là, t'as le long cou avec la tête. En fait, elle regarde vers le ciel. Ok, je vois le genre. Moi, ouais, pendant une seconde, j'ai cru que la patte qui était en avant, c'était la patte arrière gauche. Là, c'est la dernière image. Oui. Enfin, c'est là, c'est la dernière image, effectivement. Ok, c'en est où au niveau des scores? Alors, il y a. Bah, c'est la merde. 28 pour toi et 27 pour le chat. Ah, je suis devant. Oh là là. Oh là là. Et moi, je dis pas parce que terrible. Je suis tellement haut, en fait, que je veux pas vous mettre la honte. Ce serait dommage. Je veux pas vous décourager dans vos efforts. Ça va être tellement serré. Ça va être tellement serré. Hop, dernière image. C'est parti. What? Alors moi, c'est encore en train de charger. Allez, et on balance. Ah, ouais, il y a un truc là-bas. C'est un skin de Rihanna. Quoi, cette plante verte, là? Alors, c'était quoi déjà ta théorie, Vermi, par rapport à comment je faisais les pixels? Bah là, je n'avais pas, là. C'est pour ça que j'ai... Non, le dernier, c'était pas le plus dur. Ouais, hein. Non, je me dis que c'était possible qu'il change cette fois-ci. Ouais, hein. T'étais derrière. Non, t'as dit c'est sûr à 100% qu'il change. Non, non, non. Ah si, t'as dit c'est sûr à 100%. Je confirme les dires. Et bah là, j'ai envie de mourir, hein, tout simple. Bah, du coup, t'as gamble Non, je dis que je gamble. En fait, ça sert à rien que je gamble. Même en gamblant et en faisant les scores max à chaque fois, je ne rattrapais pas les autres en points. C'était pour le jeu, pour le fun. Et histoire de terminer à zéro au cas où. Oui, mais non, du coup, moi je veux sauvegarder l'honneur quand même, tu vois, genre à l'aide. Hein. Je vais pas prendre des risques quand il n'y a rien à gagner. C'est complètement inutile. L'honneur n'a jamais sauvé personne. C'est complètement inutile de prendre des risques pour rien. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette merde. Pourquoi il y a un truc à côté, genre? Mais est-ce qu'il y a une variante de ce monstre? Est-ce que t'as mis le chrono? Normalement, oui. Mis le chrono, parfait. Oui. Il reste une minute, du coup. Moi, il reste 30 secondes de mon côté. Je sais il y a pas 30 si secondes y a... de décalage, tu te fous de ma gueule. Oui, il y a 30 secondes en général. Alors, moi, sur mon téléphone, je regarde pas le chat, je suis à 21. Sur mon PC, je suis à 16. Il y a 4 secondes de décalage. Après, là, peut-être que. Je suis à 1 minute 7 sur mon téléphone. Ok, donc toi, t'as du décalage. Oui, c'est pour ça. Mais je pars du principe qu'il y a 30 secondes de décalage. Mmh. Alors attends, j'ai pas donné de réponse. Oui, c'est vrai, il faudrait peut-être. Allez, hein. Parce qu'il faut donner. Oh non, attends. Alors, attention, Débilus, hein.
J'ai pas précisé que pour ce pixel, il y avait que des grands monstres. Hein. Ouais. Et dit quoi là? No way, non, 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 c'est pas, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je, non, c'est moi tranquille. Je deviens fou si c'est ça. J'ai pas précisé sur celui-ci. Hein. Sur les autres, j'ai précisé. Sur celui-là, j'ai pas précisé. Non, si c'est eux. Raven, t'as pas fait ça. Ne dis pas que t'as mis des petits monstres. Déjà que tu mets des grands monstres de jeux que je connais pas, si en plus tu commences à mettre des petits monstres de jeux que je connais pas. Alors, ça dépend. Ça dépend. Certains pourraient les considérer comme de grands monstres. Mais techniquement, sur le papier, c'est des petits monstres. Mourir quand tu. C'est ça. Mais Rocky, en vrai, il y a un univers où c'est eux. Hein. Mais eux qui, eux? De quoi tu me parles, putain? On en a parlé tout à l'heure. Ah, non. C'est pas... beaucoup trop rond pour que ce soit... Il reste combien de temps? C'est fini, je pense. Hein. Ouais, c'est fini. Le chat ne s'est pas mis d'accord. Eh ben, dernière réponse postée. Ce qu'on avait dit quand on avait mis le chrono. C'est vrai, dernière réponse postée. Parce que si on leur laisse du temps après le chrono pour réfléchir, ça ne sert à rien qu'on mette un chrono. Bah oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, du coup, il y a quelqu'un qui a dit Diplodocus de Génération Ultimate. Non, ce n'est pas le Diplodocus de Génération Ultimate. Vermi a dit que c'était la variante du Bichaten et Rocky a dit que c'était le Juratodus. Ce n'est aucun. Il y a une variante du Bichaten? Oui, tout à fait. Ça s'appelle le Bichaten. Le petit châtain orangé, enfin il est pas. Non, merde. Ah, zut! Ah, comment il s'appelle ce con? Parce qu'au cas où, je me suis juste dit, bon, il y a un truc à côté, il est assez élancé vers le haut. Ah, je me ouais, suis dit, je comprends. Bichâtaine. Je comprends. Il y a un univers où il y a une variante qui a ces couleurs-là. Le chat dit bichâtain sanguin. Ouais, ouais, c'est ça, c'est bichâtain sanguin. Il est quelle couleur? Il est orange. Ah, et donc, en vrai. Ça aurait pu. Du coup, en vrai, Raven nous a donné un gros indice en disant que des oui, petits coup, monstres, ouais. Mais c'est des gros monstres, mais c'est des petits gros monstres. Des petits cons. Ok, go on. J'ai dit que ça pouvait être considéré comme des grands monstres, mais techniquement, ce sont des petits monstres. Vas-y, vas-y. Après, on n'est pas genre certains les considèrent. Image suivante. Et techniquement, ce sont des monstres qui sont capables de poutrer la gueule à un dragon ancien. J'ai automatiquement pensé au petit cactus dans MH World, mais c'est une collab, donc... C'est quoi leur nom à ces connards Wait, c'est des... Ah, putain. Là, je peux pas donner plus gros indices. Techniquement, ces monstres sont capables de marave un dragon ancien. Technique... Bah, en vrai, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas ce que ça peut être... Le truc, c'est que je vais me mettre un truc et tu vas me dire plus précis. Je vais être en mode bon, bah yes. Ok, le chat semble se mettre d'accord sur un truc. Rocky, il a déjà posté sa réponse. Moi, je l'ai légèrement modifié parce que je t'avoue, je connais pas les noms de tous. J'ai pas leur nom. Débilus, le monstre que j'ai mis, techniquement, il m'arrave un dragon ancien. Après, techniquement parlant, le Rajang défonce des dragons anciens. Oui, vu que le Kirin est un dragon ancien, par exemple. Ok, ils sont partis sur. Ils sont partis sur je sais plus le nom. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, tout le monde, okay. Tout le monde est parti sur le même, tout le monde est parti sur les Gajalaka. Sauf que ce n'est pas ça. Mais vous n'êtes pas. Je suis pas parti sur les Gajalaka, moi. Ah merde. Bah, ah merde, bah, je sais pas, la réponse. Les Lignes Moron, qu'est-ce que c'est que ça? Les. J'ai plus leur nom, merde. On en a parlé un peu pour le JDR. Les Lignes Moron. Ça ressemble à des mini-gorons de Zelda, genre. Ah, mais c'est pas des chats, c'est des trovériens. Non, pas les humains, genre, merde. Ok, je te trouverai après, c'est pas grave. De toute façon, ça doit pas être ça, vas-y. Ok, d'accord.
Image Du coup, suivante, pixel chef. suivant. Pixel suivant. Paf. Pourquoi on dirait Oh un rat géant putain! qui ouvre la bouche? Ok. Ok, j'ai. Oh, qui là? Oh my god. What? Je sais pas si tu vois de qui je parle. Ah si, si, mais c'est pas ça. Bah, je sais pas. What? Mec, joins. Comment il s'appelle déjà? Comment il Ok, s'appelle le dans. chat a trouvé. Comment il Le s'appelle dans chat a Kung Fu trouvé. Panda le. Chifou. Ouais, c'est Shifu mélangé à Maître Yi. Genre, il a un corps de tortue, mais la tête de Shifu. En vrai, je le vois comme ça. Je le vois tellement. Le chat est trop fort. Hein. Mais on est d'accord que si je mets ça, c'est pas assez précis, genre. Techniquement, si. En 1 minute, Vermi. What? Ok. Eh oui, Débilus, parce que crois-moi que quand tu as une armée de ces petits qui bravent la tête d'un dragon ancien, crois-moi que ça se pose des questions. Hein. Bon, Rocky, il n'a pas trouvé. Les autres ont Mais attends, mais trouvé. c'est quoi la différence, genre? Je t'expliquerai après. J'expliquerai après. Et donc, du coup, alors moi, pour te donner, je pensais au truc, par exemple, le gars qui te file la quête Ratalos, c'est Diablos. Oui, tout à fait. Mais c'est pas Ok. lui. C'est pas le village, enfin, le chef du village Kokoto. Et du coup, bah, Je pensais pas au chef village avant-dernier. Kokoto, mais. Dernier pixel pour Rocky. Mais là, c'est encore pire. Un vieux qui se balade avec une canne, ça j'ai compris, mais. Mais c'est quoi cette merde? Oui, mais c'est genre pas une sous-catégorie, genre ça rend la même chose. Oui, c'est exactement la même chose, oui. T'en as plein d'autres qui ont différents noms et tout. En tout cas, ceux-là, c'est ceux que tu as décrits. En vrai, j'ai l'impression de tricher là pour le coup. J'avais vraiment ça en tête. J'avais vraiment la version sauvage en tête avant. Du Ah, coup, bah là cette fois, là bah oui. c'est bon, hein. C'est bon, hein, techniquement. Moi, j'en ai aucune idée, frérot. Hein. Donc, si Vermi est Non, bon. parce que tu vois, là je mettrais genre ça, tu vois. Ah, ouais. Après, techniquement, les palicots, c'est tous des félines apprivoisées. Hein. Les palicots, ça englobe même les mélanx. Hein. Ah, mais me dis pas qu'il faut dire quelle race de chat spécifique c'est. Hein. Là, je vais. Donc, en fait, palicots, c'est pas assez précis techniquement. Ah, c'est genre l'inverse. J'y piche Ok. que dalle. J'y piche que dalle. Mais s'il faut aller chercher la race précise de chat, genre si c'est les chapardeurs au lieu que ce soit les chats du désert, c'est bon, on nique. Hein. Bah, à un moment donné, ils ont dit les Gajalaka, hein, c'est typiquement une race de chat. Hein. Mais moi je t'ai dit les Gajalaka chassent les félines sauvages parce que je les appelle tous des Gajalaka. Genre, je sais que les Gajalaka c'est ceux qui ont le Ah, masque. Mais j'avais pas compris ça comme ça. Parce que je sais que les Gajalaka c'est ceux avec le masque. Mais bon, t'as les Gajalaka, t'as les chapardeurs, les chats trappeurs. En fait, c'est des chats avec un adjectif de qu'est-ce qu'ils utilisent comme arme derrière. C'est pour ça que je te dis, si c'est la Du faction coup, je me spécifique, permets je de la regarder trouverai le jamais, chat. frérot. Je la trouverai Je me jamais. permets de regarder le chat pour nous genre Ah merde. séparer parce que. Je t'avoue que moi je comprends pas la question depuis tout à l'heure, c'est pourtant. Si c'est vraiment la race de chat qu'il faut trouver, à l'aide un peu. Ah bon, bah tant pis.
fait, c'était Léphilim. Oh, non mais attends, j'ai eu un Léphilim. espèce de roller coaster émotionnel. Genre, dans le truc juste avant, j'avais l'impression qu'il était genre full équipé. Et du coup, j'étais en mode, ok, bah c'est un palico, genre giga équipé et tout. Avant, j'étais en mode, c'est un sauvage. Et là, c'est re un sauvage pour moi, genre. J'ai envie de mourir. Techniquement, c'est un sauvage. En fait, dans le compendium, tu as les félines qui ont différentes races. Tu as les mélanges, tu as les chakalaka, tu as les gajalaka, tu as les chats de World avec. Merde. Oui, bah c'est les félines trappeurs, les félines machin, les félines bidules, et les cinq clans de félines là. Oui, les clans, Ce différents qui clans de donne félines. la Mais. putain de quête des trésors, là. Oui, Qui m'a empêché d'avoir le exactement. 100% pendant Ceux 2 ans. avec qui en plus tu parles de. Enfin, c'est les Grimalkin. T'as les Grimalkin. Ouais. Oui, les Grimalkin, c'est une race de félines qui eux-mêmes ont plusieurs apparences. Ouais, non, mais de toute Ce n'est façon, pas exactement MH et les pareil. chats, je crois que le directeur de Monster Hunter, c'est un cat enjoyer de fou et il a décidé qu'il Et mettrait des chats partout. normalement, la vraie race de ces monstres, c'est les Lignes. Donc, le fait de dire que ce sont des félines, c'est un abus de langage. C'est comme dire que les loups sont des chiens. Alors qu'en fait, le truc, ce sont des canidés, tu vois. Ouais. En fait, les chats que l'on a, ce sont des félines à proprement parler. Et les chats que l'on rencontre dans le jeu, ils font partie de la race des Lignens. Les Mélanx, ce sont des Lignens. Les félines sont des Lignens. Les Chakalaka sont des Lignens, etc., etc. Ok. Et Et pourquoi est-ce que je dis les qu'ils peuvent espèces de marave un. trucs, le truc dans World qui donne la caisse Rathalos Diablos, c'est un truc que tu dois chercher tout en haut de l'arbre qui a un C'est un chapeau ancien rempli Wyvern, de ça. mouches. Là, ça, ouais, c'est ça, c'est Ah, les anciens les gouvernants. anciens. Les... Ça, c'est les Wyverniens primordiaux, un truc de ce délire-là, quoi. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Voilà, Bah, c'est Uruki, les. c'est ça le nom. Il est Uruki, effectivement. Ah De ceux que j'avais en tête. oui, c'est vrai. C'est ça les Lignagorons dont je parlais. Et du coup, le truc avec les félines, c'est que techniquement parlant, les félines, ils sont capables de marave des dragons anciens s'ils le souhaitent. Et par exemple, bah, tu as les félines mousquetaires qui travaillent avec Félines Drac, qui sont en fait des félines qui s'engagent comme des comment on appelle ça, comme des mercenaires pour pouvoir aider les chasseurs, etc. Et même les Miaroudeurs, en général, ils sont très ils étaient en phase d'être recrutés par les félines mousquetaires, que justement le Miaroudeur, il est extrêmement puissant, mais à la base c'est un palico le Miaroudeur. C'est pour ça aussi qu'il est très fort. Mais techniquement, les félines, c'est l'une des rares espèces de petits monstres, en quelque sorte, qui peut être considéré comme un grand monstre, parce qu'ils peuvent marave énormément de créatures, et surtout ils sont capables d'affronter des dragons anciens s'ils le souhaitent. Ouais, genre vraiment même titre que nous, quoi. Genre, Oui, j'ai exactement. vraiment cru à un moment, enfin à un moment j'ai vraiment failli mettre genre chasseur, hein, clairement. Mais du coup, Ah bah, au niveau points, ça donne comment il quoi? s'appelle? Bah, ça donne. Attends. Vous aviez deviné au dernier pixel, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Bah moi, du coup, j'ai jamais deviné. Hein. Parce que je ne sais pas du coup le terme qu'il fallait donner. Ah oui, Je ne sais toujours pas le toi, tu terme n'as qu'il fallait jamais donner. Hein. C'est quoi deviné. la bonne réponse, je vous. Il fallait dire Féline, I Féline. guess. Féline. Féline. Oui, Féline. Et Féline sauvage, Donc, ça marchait pas? oui, mais comme tu me disais Gajalaka slash Féline sauvage, pour moi, tu me parlais des Gajalaka. Ouais, mais je savais pas que c'était des Tu vois races ce que je veux différentes, dire? frérot. Pour moi, c'était tous les mêmes. Hein. C'est tous des félines sauvages, sauf qu'il y en a, ils ont des masques, et d'autres, ils ont des trous, et Bah, d'autres, ils ont des. techniquement, Féline sauvage, ça ne fonctionne pas. Tu m'aurais dit Lignien sauvage, j'aurais compris. Ok, donc j'ai pas de points. Mais techniquement, les félines, c'est une race à part des Gajalaka, des Mélanx et tout. Ok. Donc du coup, moi, j'ai Ok, pas de points, donc c'est j'ai. sûr. Moi, je l'ai eu du coup au dernier et pas à l'avant-dernier. Ah, tu l'as eu au dernier et pas à l'avant-dernier. Et le chat, il l'a eu quand? Parce que je crois que le chat l'a eu juste avant toi, du coup. Hein. Oui, je pense. Oui, le chat l'a eu juste avant toi. Donc toi, tu gagnes Du un coup, ça point. fait. Ok, clean, clean. Et le chat, ça fait 2 points. TTDR. Il y a une question Eh bonus, là, ben, Bosby?
Crolis, merci d'être venu Yep, et de merci toute à toi. façon, on va bientôt arrêter. Parce que là, il y a égalité, on fait Que... comment? Quoi? Non. Égalité, bah... Bah, t'avais un point de Ah, il y a plus, t'as gagné égalité? un point, ils en ont Oh gagné merde. deux. Oh merde. Oh, je fais comment? Alors, Coin soit flip? on part Comment je avec fais? une égalité, soit tu leur files une petite question Coin flip. bonus. Non, pas coin Alors, flip, attends, pas là-dessus, non, alors frérot, clairement pas calme-toi. un coin flip, ça, vous avez rêvé. Vous avez rêvé. Merde. Démulus propose en but vermi, je suis d'accord. Alors, en vrai, on va poser la question. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez l'égalité ou est-ce que vous voulez une question subsidiaire? On se serre la main, c'est pas mal. Barry Sinon, qui a coin flip, peur. en vrai, s'ils sont d'accord, coin flip, moi ça me va. Hein. C'est Alors, parfait, coin flip. Persicace dit question, Débilus dit question, Shadow dit question. Ok, et eh ben on va Pour partir sur l'instant, on la est sur question. une unanimité de questions. Ok, et eh ben j'ai une question du lore. Ben, vas-y. Hein. Je t'écoute. Eh ben c'est J'ai parti. pas SNAS de sortie, donc je vais le chercher. Ça va être très rapide. Je suis prêt quand tu veux. La question est, pourquoi les doubles lames ont été inventées? Il est horrible. Du coup, je le D'un sais. aspect genre lore de Monster Hunter ou dans l'aspect plus Lore, dev? c'est une question du lore. C'est une question du Merde, lore. j'avais l'autre raison moi. Pourquoi les doubles lames ont été inventées et par qui? Enfin, par qui tu, enfin, Mec, il n'y a pas un nom pitié, précis, mais j'ai voilà. le droit de répondre. Oui, tu peux répondre. Ça ne rapportera pas de points puisque c'est Vermi qui doit Si décider. j'ai juste, je Minute, 8 gagne. minutes. Oh oui, en vrai ça ferait du sens. Non, ce serait débile, ça serait archi con. Attends, ce serait marrant. Ok, le chat là. Vermi, il a la pression. Peut-être une idée. En vrai, c'est marrant. C'est marrant ça quand on a un truc comme ça. Bravo Rocky, tu as deviné, tu es trop fort. Je te déteste. Mais comment ça tu me détestes? C'est Pourquoi une t'as pas mis question du cette lore, je t'ai question dans dit. le quiz à la base, en fait? Peut-être parce qu'on en a J'ai parlé il mis y a 10 minutes, certes, mais... J'ai mis l'autre question sur quel style de chasse a été inventé par le village Berna. C'est plutôt cool comme question. Ouais, Détaillé. super comme question quand j'ai pas fait le jeu. Comment ça Tu sais, ce qui démarre? m'énerve avec ce Attends. quiz, c'est que j'ai envie de faire tous les jeux juste pour répondre aux questions, en fait. Pas pour faire les jeux, juste pour répondre aux Et putains de questions. mais de toute façon, tu t'attendais à quoi? Le quiz, ça allait pas être que sur Iceborne, hein? Mais je sais, mais je suis en train de faire Rise, là. Attends, mais Vermi, fait trop rire sa réponse. Il voulait faire de vraies armes aux félines, sauf qu'un jour, un chasseur a décidé de les tester. Donc on a pris une dans chaque main et ça a possiblement marché. Eh ben, lis ma réponse, Vermi, c'est la bonne. Sache-le. Incroyable. Inventé par les chasseurs plus forgeron, épée bouclier pour utiliser la mobilité de l'arme. Oh! Et petit à petit, ils ont enlevé le bouclier pour garder que la lame. Ok, stylé. En vrai, celle-là, t'étais obligé de la perdre parce que on en a parlé tout à l'heure pendant qu'on parlait des armes de MH Oh! Weld. Du coup, le chat, il y a vraiment En vrai, je qu'ils préfère ma étaient réponse. aveugles et sourds qu'ils auraient pas eu Ça celle-là. me va. Fair Games. Après, très honnêtement, j'avais oublié que Vermine n'était pas là lorsque je m'avais parlé. Je me doute, mais c'est pas grave. Le chat a gagné. Bravo le chat. GG's. Oh Mais je putain. préfère ma réponse, je pense.
Ça fait plus de sens. C'est rigolo, c'est rigolo. Bah effectivement, GG le chat. Du coup, comme ça, Vermi, la prochaine fois qu'il revient, il pourra utiliser son gamble à 15 points. Let's fucking go. T'as moyen de m'envoyer le planning en Ouais. MP, s'il te plaît. Ouais. Comme ça, je change ça en deux spi et puis je mets le planning sur le chat. Ouais. Si tu sais déjà sur quoi on va parler à la prochaine émission Raven, tu peux m'envoyer en MP aussi, mais si t'as pas Non, d'idée. si j'ai une idée, mais c'est juste que ça se trouve, parce Oui, que j'ai si on change, plusieurs enfin, idées en fait, on n'est pas d'instruments en au. Vu tête. que le prochain épisode est dans longtemps, je pense qu'on va pas Voilà, faire le c'est ça, leak c'est. maintenant. Je ferai le leak, moi, au pire, sur Discord plus tard. Exactement. Alors. Pour l'instant, j'ai des idées, mais je ne sais pas encore lequel j'ai envie de traiter en premier. Ouais, je me doute. C'est pour ça que je préfère savoir si là, tu étais déjà sûr à 100%, mais si t'es pas sûr, il n'y a juste pas de leak à cet épisode et ce sera pour la prochaine fois. Alors, attendez deux petites secondes, La je me fresque, elle dis. vient de, elle vient d'un fan art sur Internet. Je la mettrai sur le Et... Discord si vous voulez, pour pouvoir la regarder entièrement, parce que j'avoue que la fresque est très stylée, j'aimerais bien l'avoir en poster chez moi, pour vous dire. Bref. Voilà. Imprimé sur du papier bulle. Non. Du coup, voici le prochain planning. Alors, attendez, moi je vais me le mettre en grand à côté. Voilà. Alors, demain, soirée Mash World. On sait pas. Je ne sais pas encore si c'est moi Eda, moi Vermi, moi tout seul. Bon, on verra bien. Pour le MH-like Vermi, dis-moi tout, qu'est-ce que c'est? Alors, on va s'attaquer à un jeu que j'ai encore sorti de mon cul. Si vous connaissez Ragnarok Online, Oula. MMORPG qui est déjà sorti de mon cul, mais qui est un peu populaire en vrai, et ben en fait ils ont fait un spin-off qui s'appelle Ragnarok Odyssey. Et il y a une version Ultimate qui est sortie ensuite qui s'appelle Ragnarok, Odyssey Ace. Qui est globalement un MH. Genre, c'est littéralement les hubs des MH, c'est littéralement le principe de quête des MH. Enfin, c'est la même chose, c'est juste le gameplay qui change globalement de ce que j'ai vu. C'est un gameplay qui est très orienté combo. Alors, j'ai très peu touché, hein. J'ai essayé de le faire fonctionner au début, enfin, alors que vous étiez en stream. Donc, j'en sais pas grand-chose pour l'instant, je me renseignerai, je vous en dirai plus mardi soir. Pour mieux vous le présenter. Mais globalement, ça a l'air d'être vraiment très orienté combo. Genre, je peux balancer des monstres dans les airs et faire un combo aérien à la DMC. Ça a l'air assez marrant. Et il y a des monstres qui ont l'air très, 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 très grands. Auquel cas, tu vas les affronter un peu comme les fights de Sonic Frontiers. Ou Shadow of the Vous savez, avec Colossus. les gigas. Ouais, ou Shadow of the Colossus. Enfin, genre, Non, ça mais a l'air d'accord. assez zinzin. On est Ok. sur un gros truc. Hein. Alors le jeu a l'air de puer sa mère, hein, mais le concept a l'air cool. Et Franchement, j'ai ça plus de va batterie vraiment dans le plaire téléphone. au Weeboss de la commu. Comment il parle de la commune? Mercredi, on continue notre aventure avec l'équipe sur Rise, la seconde chance qui continue. On devrait attaquer le Normalement, Sunbreak, on hein. devrait attaquer Sunbreak parce que là, on est vraiment genre à la fin de Rise. Genre, on était au dernier rang, donc pas mal. Et jeudi, vendredi, du frontière, de ce que je vois. Deux petites soirées Ouais. frontières, tranquillou. Tu sais ce que vous Alors, avez de prévu? le jeudi, ce sera du farm, Ouais. principalement. Et vendredi, ce sera des nouveaux trucs. Voilà, de ce que j'ai compris. Ok. C'est une semaine qui est un petit peu plus calme que les autres. Enfin, il y a un petit peu moins d'émissions déjà, parce qu'il n'y a plus la radio. C'est ça. Et aussi, enfin, genre, on fait 2 journées de frontières, on diversifie pas trop. Parce que... Alors, notre VOC est privé, enfin, genre, vous pouvez pas le rejoindre, vous, quoi. Oui. Vous pouvez le voir, mais vous pouvez pas le rejoindre. Pour ça qu'il y a une salle d'attente, en fait. Mais ouais, il y a moins de diversité, etc., parce qu'on se prend un petit peu moins la tête, c'est genre la semaine avant la reprise des cours et du taf pour beaucoup d'entre nous. Donc, on va y aller doucement, on verra la semaine prochaine comment... Comment doser ça avec le taf, les cours. Mais bon, on continuera à avoir des streams. Ce sera probablement des streams un petit peu moins fréquents et un petit peu moins longs. Mais voilà.
on essaiera quand même de garder des streams. Déjà, la radio, on la fera de manière bimensuelle. Ouais. Donc, c'est ça. Pour rappeler, une grosse pause de la radio pendant un mois. Parce pour que plein de raisons vacances. Différentes. C'est ça, c'est les vacances. Et en gros, on revient de sur le 15 septembre. Donc, prochaine radio MH le 15 septembre. Alors, vous inquiétez pas, moi, je vais essayer de faire des trucs les dimanches. Je sais pas encore quoi. Peut-être de la VR si j'arrive à la faire marcher, lol. Sinon, j'ai des idées, mais il faut que je regarde si ça marche. Donc, c'est pour ça que je vous dis rien tant que je sais pas si ça marche ou pas. Mais donc, retour de la radio le 15. Et ce sera plus toutes les semaines, ce sera toutes les 2 semaines. Parce que Raven travaille énormément en amont pour préparer toute l'émission. Et forcément, d'un moment, il faut qu'il vive. Donc du coup, toutes les 2 semaines, comme ça, il y a toujours la radio. Donc par exemple, là, ce sera la prochaine, c'est le 15. Celle d'après, ce sera le 29, etc., etc. Donc comme ça, on continue la radio. On la fait juste un peu moins souvent. Parce que ça demande beaucoup de travail. Mais voilà, c'était la radio du jour. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai bien aimé le monstre. Et puis, écoutez, aussi, on a discuté un peu des armes qui arrivent. MH Wild le promis. Et ma foi... Le planning est dispo dans le chat, point d'exclamation planning. N'hésitez pas à rejoindre le Discord avec point d'exclamation Discord. Je suis en train de mettre le planning également en dessous du live. Quand vous cliquez sur voir le planning, ça va bientôt être mis à jour. Il sera disponible également sur le salon planning du Discord. Et voilà, je pense qu'on a relativement fait le tour. Je pense. Je sais pas si vous avez des trucs à ajouter. Ma foi, allez voir la chaîne de Raven. C'est du très très bon lore. Ah, j'avoue que j'ai pas link ta chaîne. Let's play Frontier en plus en ce moment. Vu que j'ai pas modéré le truc. Alors nous, MH Frontier, là tout de suite maintenant, on a le serveur qui est en panne. Qui est un peu down. Ça reviendra. Mais ça va, j'ai pris de l'avance sur les vidéos, donc normalement, je suis pas trop dans la merde. Mais regardez, on a prévu du Frontier la semaine prochaine, donc ça veut dire qu'on sait que ce sera réparé. Voilà. On est confiant. Par contre, Vermi, vous me prévenez hein, quand vous faites le Ravian Berserk. Hein. Enfin, si toutefois, je suis pas pendant mes vacances. Mais... Oh, j'espère tellement qu'on le fera jamais. 8 heures de stream. L'envie de mourir. Pour tuer une fois le Bob. Pour taper des. En plus, c'est que vraiment, le Ravian, il est très stylé. Hein. Mais j'avoue que le fight a l'air. Il est boring. Hein. Oh, il est chiant. Tu vois un bout de queue et puis tu tapes dessus. Voilà. Un mur d'écailles. C'est beau. Hein. C'est beau, hein, c'est le Ravient. C'est pour ça que personne. J'ai hâte de voir ses armes. Les armes Ravient, elles doivent être trop stylées. Vous ferez peut-être une radio dessus un jour. Hop, allez, hop, c'est fait. Non, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. On peut. Ça vous dit un petit raid sur du Monster Hunter Rise? Bon, moi, c'est As You Wish. Il y a un poteau qui nous a raid hier, on peut lui rendre l'appareil. Clairement. Oui, clairement. Le frérot Trexip, hop, je balance ça. De ma foi, passer une bonne soirée. Ouais, c'est soirée, bien du raid. Et puis on vous voit. Eh bien, on vous c'est voit ça, bonne soirée live. À tous. On vous verra bonne soirée à live. Tous. Et dites un petit bonjour au frérot Trexip de notre part. Hein. Allez, clairement. Bonne journée à vous. Bonne et à bientôt dans la taverne. Bonne soirée à tous.